Coucou, coucou, comment vous allez? Eh bien écoutez, pour les personnes qui étaient là en live tout à l'heure, recoucou, voilà. Je suis assez stressée pour les personnes qui n'étaient pas là en live à 18h, nous avons joué aux Sims, mais là, nous allons passer à un jeu d'horreur. Alors pour l'instant c'est tout mignon, tout rose. Bref, j'ai essayé de baisser un peu la luminosité, attendez parce que je vais baisser encore ma luminosité, je pense que ce sera mieux. Alors pourquoi on fait un jeu d'horreur et ça va être The Devil in Me, un Dark Pictures, puisque nous avons atteint le palier des 150 membres. Merci beaucoup à toutes les personnes. Merci Lily Sushi, une famille, une fille normale, Lilise Benoît, Maëlle, Vincent, Loulou, Marie, Julia, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Sean, merci, merci. Alors, je fais encore quelques petits réglages. J'essaye d'être au top du top. Je vais pas vous le cacher pour ce petit live, parce que j'ai jamais fait de live jeu d'horreur. Donc, en plus, il faut que ce soit assez immersif. Je me suis habillée en noir pour être un peu dans le thème. Sauf qu'en fait, ça me fait juste briller de plus. Alors, je baisse encore la luminosité. Voilà. Voilà. Ça va là, non? Comme ça, on est moins lumineux parce que c'est le soir. Si vous voyez ma tronche super lumineuse sur un jeu un peu foncé, je pense que là, on est un peu mieux. Alors, faut que je mette le casque. Je suis désolée, je parle un peu moins dans ce live-là que le live de tout à l'heure. Déjà, parce que je suis un peu fatiguée. Mais en vrai, ça va être chouette, je pense. Ça va être super chouette. Mais donc, pour être dans une immersion totale. Moi, j'ai les lumières donc qui m'éclairent. Mais sinon, après, je suis dans le noir. Il y a mon petit chat qui est à côté. Peut-être qu'il viendra pendant le live. J'ai un peu peur. Oui, il y aura la rediff. Il y aura la rediff. Attendez. Hop. Hop là. Donc, c'est un jeu narratif. Ok.
J'entends déjà l'ambiance. J'ai trop peur. Ok, alors. J'ai lancé live aussi sur TikTok. C'est bon, c'est nickel. Vous entendez pas, vous encore, vous entendez pas? Vas-y, non, je suis déjà pas bien du tout. Alors, c'est quoi le jeu The Devil in Me? Non, mais j'ai déjà les larmes aux yeux, je suis déjà stressée de ouf. Alors, attendez, par contre, je dois changer des trucs, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas le goal membre. On va cacher ça, on s'en fout du compteur d'abonnés pour que vous soyez immergés. Et je sais même pas si vous entendez le jeu, vous, là. Je crois que vous l'entendez pas encore pour l'instant. Vous me direz quand on sera dessus. Juste l'image. Ça, voilà, je change. Et je mets sans les petites fleurs. Voilà. Normalement, vous voyez pas mes petites fleurs. Voilà. Donc là, il n'y a que ma caméra. Et voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. Je suis encore trop lumineuse ou pas? Vous voulez que je baisse encore? On n'entend pas? Non, pas encore. Ok, ouais, c'est normal, je pense. Oh, pétard. En fait, il y a du feu qui crépite. Ça va pas être possible. Les gens, il y a du feu qui crépite, d'accord? Et à des moments, il y a des portes qui claquent. Et juste là, je suis en train d'avoir peur. Bon. Là, je suis sur le jeu. Est-ce que je joue manette ou clavier? En vrai, faut peut-être que je joue clavier. C'est quoi? Vous avez déjà joué à des Dark Pictures ou pas? Dites-moi, parce que j'ai une manette, s'il faut, je joue manette. Est-ce que vous avez entendu ou pas juste? Je vais péter un câble. Okay. Tout va bien, conju. Tout va bien. Je vais Bon. Alors, je vais vous regarder. Hop là, j'ai le chat, c'est bon. Normalement, ça devrait être ok. Vous entendez pas? On n'entend pas? On n'entend pas le jeu. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi vous entendez pas le jeu, mais je vais trouver. En vrai, déjà, je vais baisser un peu le son du jeu. J'avoue, je le mets à 50% parce que je vais canner sinon. Est-ce que les gens sur TikTok, vous entendez le jeu, juste que je sache? Parce que là, vous dites que vous n'entendez pas l'audio du bureau. Alors, propriété, dispositif. Là, vous devriez entendre, non? Est-ce que vous entendez le jeu ou pas? Dites-moi. Je suis pas bien. Manette, c'est mieux. Manette, c'est mieux. Ok. Bah, je vais jouer manette alors. J'ai une manette de Xbox. Vous entendez pas? Non mais après là c'est une petite musique, enfin c'est un petit bruit quoi. Oui un peu. Vous voulez que j'augmente? Si j'en ai marre! Bon je mets le son à fond pour vous. Mais moi je baisse mon son. J'ai trop peur. C'était normal. Le jeu n'a même pas commencé. Normalement, là, vous devriez entendre. En vrai, je vais baisser un chouï mon son parce que... Voilà, j'ai un peu peur. Normalement, vous devriez entendre, là. Et je me surpasse pour vous, ok? C'est un gage, je sais, je me surpasse. Bon, alors, je vais jouer manette. Très bien, ça va bien se passer. Comme ça, je vais pouvoir éloigner ça. Donc... Alors, je suis pas très forte sur manette à savoir, mais après, je pense que c'est pas trop compliqué ça comme jeu, non? Ouais, c'est bon, vous entendez? Ok, super. Eh ben, écoutez, on va partir. J'ai trop peur. Est-ce que je suis pas trop lumineuse pour le jeu? Je peux encore baisser ma luminosité, hein, je pense. Attendez. Mais en fait, j'ai l'impression que quand je baisse ma luminosité, ma webcam, genre, elle s'adapte. Voilà. Là, j'ai baissé un peu encore. Bon, on est ready? On est ready. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un mode streamer pour pas que j'ai de soucis de droit d'auteur? Alors, charte de confidentialité. Ouais, Coco, écoute, j'accepte. Oui, j'accepte. Alors, luminosité. Ajustez le curseur jusqu'à ce que l'image de gauche soit invisible, celle du milieu à peine visible. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Alors, je vais jouer seul, oui, mais je pense qu'il faut que j'aille dans les paramètres. Parce que je vais être en mode streamer, je veux pas qu'il y ait droit d'auteur ou je sais pas quoi. Vas-y, les gens, je vais canner, moi, les bruits comme ça me tue. Audio et langue.
Réglage audio de base, c'est quoi ça? Volume principal, langue texte français, langue audio, oui. Ok. Ok, il n'y a pas un mode streamer, juste dites-moi. Regarde les réglages et mets les sous-titres. Alors, il y a les sous-titres normalement. Hein. Là, de ce que je vois, vous aurez les sous-titres. Hein. Ah, non, il y a écrit sous-titres, non, vous avez raison. Ok, donc je mets les sous-titres. D'accord. Ça, c'est bon. Voulez-vous enregistrer ces paramètres? Oui. Comme ça, vous aurez les sous-titres. Graphisme. Bah, j'ai des bons graphismes, ça, c'est chouette, hein, il n'y a pas de problème. J'ai un bon PC. Accessibilité. Touche, maintenir. Il n'y a pas un endroit. Est-ce que vous voulez que j'affiche le nom du locuteur de la personne qui parle dans les sous-titres? Sous-titres, oui. Désactiver le minuteur. Alors, ça, je sais pas du tout. Sous-titres. Oui, vous voulez que j'affiche? Ok, j'affiche. D'accord, comme ça vous savez. Et il n'y a pas un truc pour les streamers? HDR, non. Paramètres HDR. Bah, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au niveau musique. Bon, alors commande. Bah là, je suis pas avec la souris, là. Je suis avec la Xbox. Enfin, avec la planète. Bon, écoutez, hein, je verrai ce qu'ils me disent. On est parti, on démarre? Je vais canner. J'ai peur. C'est parti. C'est parti. Nouvelle histoire. Clémente, difficile, mortelle. Attendez, je vais quoi? Je mets quoi? Je mets Clémente pour moi. On peut être Clément, non? Déjà que je vais sursauter tout le temps. Attendez, quel type de difficulté? Mais le premier. Ah ouais? Ah vous voyez pas? Parce qu'il y a ma tête dessus. C'est à gauche, mais. Alors je vous écris, il y a écrit Clémente, difficile ou mortelle. Excusez-moi. Je vous fais un petit sondage. En vrai, sérieux, soyez gentils, je vous en supplie. J'ai peur. Franchement, j'ai peur de. Alors, à savoir que moi, quand je suis stressée, je rigole. Donc, je vais sûrement rigoler pendant ce live. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Bon, vous entendez la musique, on est d'accord, hein? Ok, Clémente à 58%. Ok, on part sur Clémente. Ok, c'est bon. Allez, vas-y, let's go. Pour jouer avec une manette, appuyez sur 1. Eh ben, je joue avec une manette, Coco. Vas-y, je me mets comme ça. C'est parti! Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Chaque choix a des conséquences. La musique, elle est en train de me faire vriller. Je suis trop sensible. Certaines décisions peuvent sauver des vies. Je suis gagnée. D'autres conduisent à. Oh non! La mort. Ah oui, j'ai pas prévenu. Si vous avez moins de 12 ans, s'il vous plaît, ne restez pas sur le live. 80 mètres de haut, Jeff. C'est incroyable. Vous entendez le son, ça va? D'accord avec toi, ma chérie. De là-haut, on doit avoir une vue imprenable. La grande C'est la roue. première chose que je veux faire. Coucou, Mon Nana. bonheur est de te rendre heureuse. C'est toi qui me rends heureuse. On est à l'hôtel de l'exposition universelle ça à veut Chicago. Dire que tu n'es toujours pas lassée de moi après Jeff toutes ces et journées Marie. de mariage. Je oui, ne on me entend. lasserai jamais de toi. J'espère que tu dis vrai, ma chérie. Ils sont mignons tous les deux. Pourquoi il y a un serpent là? Ok. Eh bien, nous y sommes. Bye bye, Maïsen. Ah. Bon, ça va, la qualité est bonne, hein? N'est-ce pas sublime? Comme sur la brochure. Fantastique. Donc, on est dans un hôtel, je crois. J'ai peur. Direction l'accueil. Ok, réception. Bonne nuit, Mélanie.
Serions-nous les seuls ? J'imagine la cohue ce matin pour l'ouverture de l'exposition. C'est vrai qu'il y a personne, là. C'est bon, vous entendez bien, on est d'accord ? Réessaye ? Est-ce que tu peux mettre un petit peu plus fort ? Quelqu'un m'a dit ça ? Attendez, je sais pas comment on fait. Ok, j'ai réussi à mettre pause, déjà savoir faire ça. Objectif actuel, s'installer à l'hôtel, ok. Vous voulez un petit peu plus fort le son, c'est ça ? Bon, j'augmente encore un peu, mais faut pas non plus trop, je pense, sinon vous allez pas m'entendre. Hein. Augmente un peu STP, ok. Bon. Franchement, là, c'est presque au même niveau que ma voix. Alors, j'espère que ça ira, vous allez entendre. Hein. J'ai trop peur, pétard. Pourquoi il y a un crâne, là ? Voilà qui n'augure rien de bon quant à la qualité du service dans cet établissement. J'avoue. Utiliser R pour choisir. R ? C'est quoi R ? Ne rien dire. Je sais pas moi. C'est quoi R ? RB ? RT ? Je sais pas ? Je sais pas ! Le personnel doit être restreint et débordé. C'est quoi R sur la manette ? Il faut attendre car ils veulent s'assurer que tout est impeccable. Que ça démarre bien. C'est tout toi, Marie. Tu vois toujours le bon côté des choses. C'est quoi R juste sur je une manette ? Je présente mes excuses. Oh. Ok, il y a le gérant. Tant pour l'effet de surprise que pour cette longue attente. Mon attention était requise ailleurs. Je crois que c'est carré. Carré ? J'ai pas carré. J'ai ça regardé sur ma main. Je vous promets qu'à partir de maintenant, vous ne connaîtrez plus aucune des convenues. Le joystick. Bienvenue à l'hôtel de l'exposition universelle. Ok, merci. Tenez. Ok. Donc, on est à l'hôtel de l'exposition universelle. Vous on découvrez Chicago ? Sans vouloir m'avancer, j'imagine que vous êtes venu pour l'exposition. Il fait trop peur. C'est vrai, oui, mais ce n'est pas tout. C'est une journée très particulière pour nous. Oh, elle est mariée ! Oh, une lune de miel. Voilà qui est tout à fait charmant. Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Ma chère épouse, Madame Whitman, voudra-t-elle bien signer ? Pourquoi c'est elle qui signe ? Oui, c'est alors, aujourd'hui RT. Que débute notre c'est quoi RT, de putain ? RT, ah c'est ça. Ok, c'est bon, c'est écrit là. Dans ce cas, je joue jamais sur manette, okay, je suis une joueuse clavier. Vous décrochez la suite nuptiale. Ah oui, d'accord. Oh, donc le joystick droit. World Fair Hotel. Combien cela va-t-il coûter ? Oh. Et comment tu fais pour signer ? Soyez ah, fallait juste que attitude. Je lâche, d'accord. Il n'y aura aucun supplément. Appuie cadeau de la maison. Ok, d'accord. Vous êtes nos premiers jeunes mariés. C'est très gentil. Merci, monsieur. On va avoir une suite ou je sais pas quoi. Henry Howard Holmes. Henry Howard Holmes. Vous avez un très bel hôtel, monsieur Holmes. Oh, je vous remercie. Je l'ai pour ainsi dire conçu et bâti moi-même. Seriez-vous architecte ? Architecte. Oh. Inventeur. Maçon. Okay. Médecin. Médecin ? Artiste. Ouais, ok, il me fait peur, c'est bon, il va nous disons tuer. Disons simplement que je suis un touche-à-tout. Impressionnant. Oulala ! Allez-y, faites comme chez vous. Nous proposons des souvenirs au comptoir de pharmacie. Je monte vos bagages dans la chambre et procède au tout dernier préparatif. J'ai trop laissez peur. Laissez un mot si un article vous intéresse, je l'ajouterai à votre note. Mais je les avais pas vus, eux, sur la... Merci, monsieur Holmes. Je crois que c'est genre une intro. Vous êtes bien aimable. Tout le plaisir est pour moi. Je les avais pas vus sur la... Vous savez, la jacket. Le gérant, c'est Papillon. Bon. Alors, je répète. Nous sommes sur un jeu narratif d'horreur. Si vous avez moins de 12 ans, s'il vous plaît, ne restez pas sur le live parce qu'il va y avoir des scènes de sang un peu gore, quoi. Voilà. Et moi, je joue avec une manette, mais je joue jamais avec manette. Mais vous m'avez dit que c'est plus simple avec manette, donc je joue avec une manette. Voilà. Alors, R, c'est le joystick. Ah oui, oublié ok, de d'accord, prendre. C'est bon. Et maintenez RT pour saisir les objets. C'est quoi ça ? Bah, il y a écrit quoi, cocotte ? Moi, je vois rien, là. Bah, t'es bien drôle. Ah ! La trajectoire s'actualise quand l'histoire prend une tournure importante. Ok, super. Oh, pardon, mademoiselle.
Ça va, t'as hâte de me draguer ? Mon mari pourrait se montrer jaloux, alors gardez vos distances. Votre mari est un homme d'honneur. La lune de miel s'annonce bien ? Très bien, je vous remercie. Bah dis donc. Nous devrions monter. La chambre doit être prête. Le garçon à la voix de chat noir. As-tu trouvé ce que tu voulais dans la vitrine à bijoux ? Quelque chose pour moi. Tu aimerais bien le savoir. Une petite bague ? Je le sens tellement pas. De toute manière, c'est un jeu d'horreur, donc le but, c'est que ça se passe mal. C'est inspiré d'un vrai tueur en série. Ah ouais ? Ok. À tout moment, il y a Ladybug qui se pointe. Je me demande ce qu'il y a là. Je commence à croire que j'ai épousé une vraie tête brûlée. La grande roue, la chambre interdite. Chercherais-tu les sensations fortes ? Possible. Ouais, j'ai l'impression que je vois rien. Cette voyez-vous chambre l'écran est encore en travaux. On avait mieux en matière je de frisson. Je trouve que c'est un peu sombre, hein, non ? Si tu crois pouvoir échapper à la grande roue... Je sais que tu ne renonceras pas. Tiens. Il est Peggy 18, qu'est-ce le jeu. Que ah c'est ouais ? Moi, il y avait écrit 12. Bah, si vous êtes jeune, évitez. Ah bon, attendez, parce qu'il y a un truc que je trouve pas bien. C'est que je pense qu'il est trop sombre le jeu pour vous, là. Luminosité. Ouais, je vais le mettre comme ça, sinon vous allez rien voir. Hein. C'est bien comme ça. Parce que là, c'est trop sombre, sinon. Ok ? Ça vous va ? Tu as trop baissé la luminosité. Là, c'est bon ? Vous voyez mieux ? Bouge pas. Après, c'est censé rester un peu sombre comme jeu, mais... Pense à... Appuyez sur A, quoi ? Appuyez sur A en rythme avec les battements, ok. En fait, c'est le tutoriel, quoi. Vas-y, j'aime pas entendre sa respiration, c'est pas du bon ASMR, là. Là. Si vous avez pas l'âge, à vos risques et périls. Hein. Là, j'ai prévenu. Hein. Cela t'amusera moins si nous devons dormir dans la rue après avoir été. Normalement, ils disent 12 ans, mais il y en a qui me disent que c'est carrément 18 ans. Alors faites attention pour vous. Après, allez, j'avoue, quand j'étais ado, je pouvais regarder ça, mais bon. Au moins 12 ans quand même. 12, 13 ans quand même. Là, ça va la luminosité, là, c'est bien. Quand je peux t'apprendre quelque chose, c'est pas interdit, c'est déconseillé. Ah oui, oui, oui déconseillé, oui. Oui, c'est pas interdit. Bah voilà. Il me fait peur, ce mec me fait peur de ouf. J'ai peur. Ça fait bader, on est d'accord, ça fait soyez les bienvenus dans notre suite nuptiale. Oh, là c'est joli, là, c'est tout ensoleillé, j'adore. Merci infiniment, ça. Monsieur Holmes. Je vous souhaite un bon séjour. Si vous permettez, j'ai du travail à terminer. Bah, ciao. Casse-toi. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Ok, c'est bon, il va nous zigouiller, c'est sûr. Il va nous zigouiller, moi, je vous le dis. Hein. Je préfère vous prévenir. Hein. Seigneur, mais cette chambre-là est digne d'un roi. Ouais, bah, pour le temps que vous allez y rester. Oh, toi. Prends ça. Guidon, ce n'est pas très gentil. Hé hey. Ah, dans le mille. C'était pas simple, là. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Utiliser R pour viser, appuyer sur RT pour la cible. Vas-y, dans ta tronche. Ah, là. Ah bah non, elle a pas visé. Bon bah, j'ai raté. Je vais crever, moi, je vous le dis. En fait, c'est vraiment le tuto, mais j'arrive pas à faire le tuto, ça se passe bien. Ah ! Quoi, que je fais quoi ? Je rappuie sur A ? Ouais, j'ai réussi ! Pourquoi c'est le joystick droit et pas le gauche ? Bonus débloqué. Quel bonus ? Oula, le bisou. Ma tête quand et je panique. Si nous faisions la paix. J'ai plutôt l'impression que tu me tends un piège. Pas du tout ! J'ai un cadeau pour toi. Vas-y, qu'est-ce qu'il va nous offrir ?
Ferme les yeux face au miroir. Oh, j'ai 10 ans, je flippe de ouf. Ne reste pas là, Design Art, je pense. Et si je reçois un oreiller au visage, je te jure que je t'étrangle. Merci, mademoiselle Marie. Il y a un problème ? Non. Ça va être creepy, je vous le dis. Trajectoire actualisée. Ah, ok. C'est quoi ? Visiteur de l'hôtel. Marie a acheté le poudrier. Jeff a offert à Marie le collier qu'il a acheté à la bijouterie. Ok, donc ça, c'est des trajectoires, ça. Attendez. Je crois que les trajectoires, c'est quelque chose qui... Comment ça s'appelle ? D'ailleurs, je vais modifier ma webcam. Hop, je vais la mettre comme ça, parce que je crois que je me baisse beaucoup. Ouais, comme ça, vous me voyez un peu mieux. Parce que je me baisse beaucoup quand on joue. Je crois que les trajectoires, c'est ce qui va faire le jeu. Ok. Bon. Ah, d'accord, c'est ça. Ah, ouais. Ça va bien se passer. Conju, ça va bien se passer. Oh, Jeff, il est sublime, merci. Parfait. À moi, la victoire. Quelle victoire ? Je vais te laisser prendre ton bain. Oh. Il y a une caméra ? Il y a une caméra ? Oh ! Il y a une caméra. Oui, si vous avez un souci avec le sang, ne restez pas, il y aura du sang dans ce jeu. Ne restez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me fait peur. C'est quoi ces bruits là que j'entends là ? Ça me stresse. Ça s'ouvre pas. Appuyez plusieurs fois sur X. Avant que le temps ne soit écoulé. Oui, bah j'appuie. Ouais, mais je vais perdre, je vous le dis. Sésame, ouvre-toi. Merci. Si tu veux m'écraser pendant que je prends mon bain, ensuite, eh bien, nous aviserons. Un verbe dangereux. J'espère qu'on pense à la même chose. On se calme, s'il vous plaît, il y a des enfants ici. J'ai oublié mon nécessaire de rasage. Ils en vendent sûrement au comptoir en bas. Ne traîne pas trop dans ton bain. Ne t'inquiète de rien. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas du tout. Jeff, là je joue Jeff. Ok, alors je me déplace avec gauche. Et droit c'est pour la caméra, ok. J'apprends à jouer avec une manette, d'accord ? Don't judge me. Pourquoi j'ai eu peur d'une porte ? Ça me saoule. Je peux faire quoi là ? Y'a quoi ? Ah, y'a ouvrir. Ah, je peux y re-rentrer ? Ne fais pas ça. Ah non, ok, je peux pas. J'ai envie de regarder derrière moi. Je peux pas courir ? Pourquoi le sol, il m'a l'air bizarre, là ? Il y a comme une démarcation, non ? J'ai peur. On jurait que nous venions de là. C'est comment qu'on court ? Ah là, ok, si j'appuie là, ça marche bien. Ok, j'appuie sur LB pour aller plus vite. Quoi ? Oh mon Dieu. Marie ! Non ! Non. Si apparaît sur l'écran, vous pouvez vous équiper d'un objet. D'accord. J'ai pris quoi ? RT. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est apparu à côté ou je sais pas quoi. Non, c'était... J'ai trop peur. C'est un jeu d'horreur, hein. Les enfants ne restez pas, il va y avoir du sang, ça va pas être Jojo, on vous prévient, d'accord ? Vous êtes prévenus. PTDR conju, tu me stresses, pardon Maï. Attendez, il se passe quoi là ? Déjà elle se met toute nue, genre t'es super vulnérable quand t'es à Walpé. C'est quoi ces bruits ? Ça, toi, t'es un peu caché par ma caméra, je suis désolée. Hein. Ça, c'est... Il y a du bruit.
Je veux pas voir ça. Attention, pour les enfants, s'il vous plaît, ne restez pas. Je vous en supplie. C'est toi, mon chéri ? C'est pas du tout notre chéri. C'est pas notre chéri. Il avait pas ses chaussures. C'est pas notre chéri. Oh, est-ce encore un de tes petits jeux ? C'est pas un jeu. Tu vas crever. Examiner, se détendre. Non, examine ! Examine ! Je sais pas comment on fait. Très bien, petit roublard. J'ai peur. Vous j'ai ne peur. Mourrez pas comme ça, monsieur. Oh, Holmes ? Bonjour, ma que jolie. Qu'est-ce que vous ici ? Jeff ! Je crains qu'il ne puisse pas vous entendre. Non ! Ah ! Ne m'approchez pas ! Mais je n'en ai pas terminé. Ne résistez pas. Vous ne feriez que prolonger vos souffrances. Hein? Qu'avez-vous fait? Calmez-vous, monsieur. Il semble que votre femme... Oh, pétard, le sang. Ah, t'es mort, toi, hein. Tu cours ou ça tu fais quelque chose pas, monsieur. Il court ou pas? Il fait quoi? Je cours? Ah. Je cours pas. Je me fais zigouiller. Mais je pense que c'est l'intro et que j'ai pas le choix, genre. Parce que là, y a pas de choix, hein. Je pouvais rien faire. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Oh, de l'acide ou je sais pas quoi. Il va crever. Par la bouche, comme moi le week-end dernier. Vous gâchez votre dernière chance de lui dire que vous l'aimez. Ah, ils peuvent se voir. Je Marie. T'aime. Ah, c'est trop violent. Du gaz mortel. Et ouais. Oh, elle fait flipper la meuf. Bon bah, ciao. Ok. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Oh là là. L'intro est sympa. Une ça, c'est l'intro. Pour chaque chose. Chaque chose. Oh, il a récupéré la bague de la meuf et il la met là. Tiens, regarde ça. Oh, c'est magnifique. Ah, y a rien n'est trop beau pour toi. Mère en serait malade, c'est tellement je magnifique. Sais. Mon brave, travaillez-vous ici. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel de l'exposition universelle. Ok, tout le monde va se faire zigouiller dans cet hôtel. C'est quoi, c'est le générique des Dark Pictures, c'est ça? Skin. Il a raqué le bijou, mais grave le voleur. Il y a 5-6 heures de jeu. Mais attends, mais la musique, c'est sûr, elle est pas libre de droit. Hein. Je pourrais pas mettre de pub là-dessus. C'est sûr. Tant pis, il y aura pas de pub. Je ne gagnerai pas d'argent avec cela. Et on va juste s'amuser entre nous. Donc lui, je crois que c'est un monsieur qu'on voit dans tous les Dark Pictures. Parce qu'en fait, il y a plusieurs jeux Dark Pictures, plusieurs histoires. Et d'ailleurs, on m'a dit que ce jeu est inspiré d'une histoire vraie. Ça va être hard, hein. La musique, elle ambiance de ouf, ouais. Baisse le son en attendant. Ah, vous m'entendez pas ? Non, mais je peux pas faire ça. Après, ça va tout bugger encore. C'est pas grave, hein. C'est trop tard de toute manière, hein. Je pourrais pas.
Ou alors peut-être que je cutterai le moment du générique à la rediff de live si je peux. Bon Pélo, t'es bien gentil, mais nous on veut jouer là. Coucou Delphine. Bess, c'est trop fort. Ah ouais, le son est trop fort. Ah bah, il faut me dire moi si le son est trop fort. Je baisse, oh là là. Après, quand il va parler, il va falloir que... Je sais pas, que je remonte. On jouait pas avant ? Si, si, on jouait, mais là, c'est... C'est le générique, je crois. Comme un film, un peu, tu sais. Ou une série, plutôt. Ça va durer combien de temps, le live, pour savoir ? Je pense jusqu'à 23h. On verra, on va s'arrêter au bout d'un chapitre, je pense. Attendez, il va me parler. Il faut que je remonte le son, sinon vous allez me gronder. Je remonte le son. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Vous devriez bien entendre. Putain, moi, c'est en train de me faire des rouflaquettes, là. Hop. Voilà. Moi aussi, j'entends bien, les gars. Allez. C'est parti. On y est. Oh, une petite plume. Oh. Mais c'est noir, hein. C'est vous. Vous attendez depuis longtemps ? Bienvenue. Je suis ravi de voir un visage familier. La dernière fois, nul n'a survécu. Comme si vous n'aviez fait aucun effort. Je pouvais rien faire. Comment il se fout de ma tronche ? Chanel rachète. C'est bon d'avoir de la compagnie. Pendant longtemps, j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais à quoi sert une histoire, si nul ne peut s'en émouvoir ? Bah ouais. Notre récit s'intéresse à des créateurs et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. De l'art... L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. D'accord. Vos réactions... Les décisions que vous prendrez affecteront l'histoire. Dans ce monde, vous trouverez d'étranges images. Elles vous donneront un aperçu des conséquences possibles de vos choix. Merci, Diana. Méfiance, car les choix les plus insignifiants ont parfois les plus grandes répercussions. Vous êtes responsable de ce qui arrive. La faute vous revient. Ok, merci. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Oui, il y aura des rediffs, Lucas. Oh. En avez-vous déjà vu ? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait oboles. Okay. On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. Okay. Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger. Et je saurai récompenser vos efforts. D'accord, merci. Bien, sommes-nous prêts ? Que le spectacle merci commence. Merci pour le follow, Léna. Je vous regarde faire. Ok, donc il m'a dit, est-ce que vous êtes prêts ? Le spectacle commence, je vous regarde faire. Je suis Kate Wilder et j'ai un master en criminologie. Salut Kate. Je suis devenue journaliste pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur Chicago AM. Non, on n'a pas vu. Et oui, les gens ont tendance à penser que je suis une garce parce que je dis ce que je pense. Mais non, bien sûr, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je fais de mon mieux. Moi, c'est Marc. J'ai étudié la photographie à UCLA. Et c'était passionnant. J'aimerais bien me remettre à la photo un jour. Le garce, je suis bloqué dessus là. Mais ouais, c'est un bon job. Je sais pas c'est quoi cette interview chelou là. Je suis machino et éclairagiste. Jimmy. Je mets les problèmes en lumière. C'est pas souvent qu'on fait des rencontres comme ça et comment. C'est pas moi qui accélère, hein. Je fais rien. Je fais rien. J'en ai marre d'être toute seule. Oui, il est très bien fait le jeu. Mon expérience professionnelle ou ma vie privée.
Erin. Parce que je veux dire, ça va être diffusé après. J'aime pas trop parler de ces choses-là. Ouais, Charlie Lonit, du Royaume-Uni. Il y a de ça 20 ans. Notre dernière série était ultra prometteuse. Enfin, vous attendez le battement de cœur ? On avait vraiment bien bossé, mais... ça n'a pas Chanel. Vraiment... moi j'ai peur là. Comme je l'avais espéré. Je vais pas vous mentir, c'était un beau bordel. Nous en avons assez entendu. Assez ? Oh, mais ce n'est que le début, votre honneur. Vous ne semblez pas comprendre. Le diable a toujours été en moi. T'es un monstre, toi. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières. Pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord. Enfouissez-moi 6 pieds sous terre. Et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Nous sommes le 7 mai 1896. Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, est envoyé à l'échafaud. Son cou ne s'est pas rompu sous le choc de la pendaison. Alors le monstre suffoque, suspendu pendant plus de 15 longues minutes, avant de rendre son dernier souffle. J'ai peur. Le premier tueur en série américain avait avoué 27 meurtres. 27 ! Mais à mesure que les enquêteurs retracèrent son parcours, suivant sa trace de ville en ville, le nombre ne fit qu'augmenter. Oh. Il aurait pris 200 vies. Holmes, le premier tueur en série américain, est peut-être le pire. Merci de m'encourager dans le chat, merci beaucoup. Son corps a été enseveli sous des tonnes de béton. Espérait-il ainsi échapper au jugement de Dieu ? Ou cherchait-il vraiment à empêcher le démon de sortir pour frapper à nouveau ? Alors ? Verdict ? Merci. Verdict quoi ? Parler, répondez. Honnêtement, Charlie, c'est plus que... Une seconde. Lonit Entertainment. Je souhaite parler à Charles Lonit. C'est moi. Appelez-moi Charlie. Mon nom est Grantem Dumet. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Dumet ? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Écoutez... Écoutez quoi ? Je vous remercie sincèrement, Monsieur Dumet. Tout cela est alléchant, mais j'ai... J'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. Pardon. Non, je comprends. Je jouis d'une position privilégiée. Je ne manque de rien, mais mon temps est des plus précieux. Nous devons commencer aujourd'hui. Mon chauffeur passe vous prendre cet après-midi, à 16h. Soyez prêts. Cet après-midi ? On parle d'un tournage de 2 jours. J'ai dit à mon équipe qu'ils étaient libres ce week-end, et franchement, je doute qu'ils soient d'accord. C'est un week-end, en plus. S'ils disent non, autant vous dire que c'est mort. On est... J'ai posé mes conditions. Ne me faites pas perdre mon temps. Acceptez-vous mon offre, oui ou non ? Bah, ils ont l'air d'avoir accepté. Bien sûr. D'accord. Je les amène. Ils passent de 27 à 200 meurtres. Quoi ? Oh ! 200 meurtres. Monsieur Dumet qui vous envoie ? On... Ok. Wow. On charge le matos. C'est bon. Donc c'est là, bon. On part quelque part pour faire un tournage. Ok. Désolé. Vraiment ? Quoi, vraiment ? Qu'est-ce qu'elle a, Kate ? Ring light. Fait briller. Le tracé, si c'est bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va être génial, je vous le dis. L'aventure, le frisson. C'est pas beau ? C'est parti ! Hourra ! Ouais ! Et je commence à flipper de ouf là-haut. Je sens que ça va être génial. Let's go, le tournage de ouf. Chanel, tu veux faire un tournage comme ça ? Je pense qu'ils vont aller à l'hôtel, là, non ? Savoir où on va, exactement. Bah, il a pas été fermé ? Vous savez à quoi ça me fait penser ? Non, arrête. Topeka. Exactement. Moi, pas une thune en poche, téléphone HS, perdu au milieu de cette putain de ville. Pas ma faute. Parle mieux ! C'était entièrement de ta faute. Parce que tes plans, ils sont toujours foireux. Raconte. Qu'est-ce qu'on sait sur ce type ?
Il est riche, reclus et obsédé par Asha Holmes. Encore un barge, quoi. On se rend dans une propriété qu'il a héritée d'un proche à lui. Un proche obsédé par Holmes. D'accord. Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. Ah, ok. Du maître à des documents, des plans, des objets d'origine. Quand j'ai dit que ça sauverait l'émission, je racontais pas des conneries. T'es sûr que ce type est fiable ? Vous devez me faire confiance. On le connaît pas, ce type. Désolé pour tout ce mystère. Avant toute chose, je dois vous demander de déposer vos téléphones dans cette boîte. Hein ? Cela peut sembler étrange, mais bien que j'ai décidé de vous laisser filmer ma collection personnelle, je ne peux risquer de voir des informations préjudiciables ça, à mes affaires fait partie ou à du mon plan, intimité vous en aviez parlé exposées à mon insu. Moi, je lâche pas mon téléphone. Des règles. Je devrais valider toutes les images que vous souhaiterez utiliser. Je tiens à préserver ma vie privée. Ce n'est pas négociable. C'est chez lui, il décide. C'est une occasion unique. T'imagines? Il pourrait nous faire payer, mais non. Si c'est tout ce qu'il demande, ça vaut le coup. S'il te fait pas payer, okay. Pour eux, c'est que c'est louche. Hein. Ils sont bêtes. Pour l'émission... Vous allez voir, ça va être génial. C'est ce que t'avais dit à Topeka. Mais je sens qu'on va... De toute manière, c'est le but du jeu. Hein. On va dans une maison de fous. Donc... Moi, j'aurais fait demi-tour, mais tellement... En vrai, au pire, il faut avoir deux téléphones, tu vois. Genre, un téléphone sur toi, et tu laisses l'autre téléphone, genre. Blindé comme eBay, il devrait avoir des domestiques, non ? Des domestiques. Ils comptent nous aider ? Attendez, je m'entraîne un peu. Parce qu'il faut bien que je sois calé, quand même. Non, c'est bon. Je m'en occupe. Merci bien. Mais ça va aller. Jimmy, elle porte tout. C'est à côté de la plage ? Ah non, c'est un port. Ils étaient en limousine, j'avais pas capté. Très bien. Et maintenant ? Faudrait qu'on fasse un plan large du lac et des alentours. Ok. Il y a beaucoup trop de brouillard pour ça. Là-haut, on aura une meilleure vue. Ça fait une... Vous entendez bien la musique ? Mais c'est vrai que les images seront géniales. On cadrera au-dessus du brouillard. Ça va pas du tout, faites-nous flipper. Charlie, tu vas faire une crise cardiaque avant d'arriver là-haut. Crois pas, je suis vachement sportif. Marc, c'est de la folie. Je gère. Ça va le faire. Allons-y, Charlie. Soyez prudent, hein. C'était un plaisir. Allez. Alors là, je joue Charlie. Filmer le haut du phare. Ok. C'est quoi ça ? Appuyez sur A pour grimper. D'accord. Parce que les escaliers étaient cassés. Là, c'est toujours un peu en mode tuto, je pense, parce qu'on est encore au début du jeu. Alors, faut que je rate rien, faut que je trouve des pièces, c'est ça. Ah ouais, je peux courir. Ah, trop bien. Dépêchez-vous. On arrive. Bah, je l'avais trouvé avant que tu le dises, en fait. Le jeu est bien fait, quand même. Hein. Oh la vache, quel boucan! Bah, c'est fait pour être entendu à des kilomètres. Je sais, mais quand même, ça surprend. Ouais, je suis surprise, oui. Ah, je crois que notre plan tombe à l'eau. On doit pouvoir trouver un passage. Suis-moi. Warning, érosion. Prêt à tout pour une séquence, hein? Attendez, comment je fais pour lire déjà? Ça a pas l'air dangereux. La falaise risque la touche de s'effondrer sous nos pieds. Pour lire. Ah, désolé, danger, érosion. Ces falaises sont sujettes à l'érosion et peuvent s'effondrer dans les eaux à tout moment. Pour éviter les poursuites, mais ça craint rien. Je suis pas de cet avis. Bah, je suis d'accord, moi. Je suis pas de l'avis de Dumette non plus, il fait peur. Appuyez sur A pour descendre et accéder à de nouvelles zones. D'accord, bah, je vais descendre. Je cherche juste s'il n'y a pas des pièces. Ok. J'essaye de vous faire la meilleure expérience de jeu possible, d'accord? Je ne ressens pas leur voyage. Non, mais je pense aussi que leur voyage... Au fait, Marc... Eh, mais me pousse pas, Marc. Je voulais te remercier de m'avoir soutenu tout à l'heure. Pourquoi? Pour l'excursion au phare? Non, pour ce voyage. Tu sais combien certaines personnes sont difficiles à convaincre. Jamie et Kate ne seraient jamais venus si t'avais pas été là. Je me suis dit que, vu comment on galère avec la série, on ne pouvait pas vraiment refuser. Ouais, c'est vrai. J'ai couru la raison. Je sais pas trop par où faut aller, là. Y'a pas une pièce ici ?
Ok. Tu sais quoi? J'espérais qu'être ici, loin de tout, coupé du monde, ça me permettrait de me poser un peu, de me changer les idées. Te poser? Pourquoi tu veux te poser? On m'envoie ici, si je démissionne direct. Pour souffler un peu. Perso, je vois pas l'intérêt. En mémoire des victimes de mai... Ça a dû être terrible. De mai 1907, dans laquelle 187 personnes périrent parmi l'équipage et les passagers du SS Cassiopeia, qui s'échoua sur les rochers au pied de ses falaises. Ok. D'accord. J'ai pas trouvé de pièce pour l'instant. Hein. Je fais au mieux, hein. Je vous promets, je fais au mieux. Oh, la caméra, elle bouge vite. Appuyez sur A pour sauter. Ouais, je saute. Toujours pas de pièce. C'est pas intuitif, les manettes. Hein. Ça m'énerve. Hein. Ok, là, va falloir grimper. Comment je fais pour grimper? Non, je rampe pas, je fais quoi? Ah, je fais là-bas peut-être? Ah oui. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Non mais. Déjà, on dirait qu'on va en prison, genre. Appuyez sur pour allumer ou éteindre votre source de lumière, B pour diriger la torche. Ok. Et B. B pour. Ah non, R pour diriger la torche. Ok, c'est bon. Au fait, après le tournage, j'aimerais prendre 2 semaines pour aller voir ma famille. J'ai besoin que tu restes. Tu es le seul qui a l'œil pour ce genre de projet. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, Charlie. Oh, ouais, bien sûr, je comprends. Il y a des pirates. Ah. Prends 1 ou 2 semaines. Le temps de faire le point. Je te remercie. J'assurerai seul le montage. Tu là, devrais faire rien. Pareil, prendre des vacances. T'as pas de la famille chez qui squatter? Pas de Madame Lonit dont t'aurais oublié de nous parler? J'ai épousé mon job. Épousé mon job. Et il marche bien ce mariage? Sur un rocher. Si j'en crois ce qu'on dit sur les vrais mariages, je m'en sors pas mal. Utiliser épouser R. Épouser mon job. Oui, d'accord, ok. Ok. Ah, c'est vraiment en mode tuto là. Oh là 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 là, faut pas que je me plante. Hein. Et moi j'y serais pas allé. Non mais clairement j'y serais pas allé non plus. Non, je vais pas te le cacher. Pour moi y a aucune logique d'y être allé comme ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils passent par où, wesh? Mais moi je passe pas là-dedans moi. OMG, je suis dans le noir, ça fait peur. faut pas me regarder. C'est quoi ce truc? Un mannequin, c'est tout. Juste posé là. Peut-être que ça vient d'un musée ou un truc comme ça. Ouais, t'as sûrement raison. Je me suis tellement contractée, j'ai mal au bras. Ça va pas bien se passer, moi je vous le dis. Hein. Déjà, ça démarre mal. Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est faire la courte échelle, c'est ça? Waouh, ça m'a mis un coup de chaud. Moi aussi j'ai eu peur. Bon, je suis pas toute seule. Alors, je peux pas prévenir les screamers. Hein. Oui, bon, bah Chanel, j'avais compris ça. Je vais juste pleurer et crier, c'est tout. Tout va bien. Vas-y, allez. Il y a peut-être une pièce là, non? Je sais pas. On y va? Ouais. On va où? La lumière sur la brume, elle est superbe. Tu veux faire des plans pour l'émission? Je trouve Attends, ça beau. Je cours un peu là parce que c'est bon, là, c'est un peu lent. L'œil du photographe. C'est pas un truc qui se commande. Il y a des points communs entre la créativité et les trucs commerciaux. T'en es bien sûr? Parce que les points communs avec Kate, c'est pas vraiment. On a décidé de laisser ça de côté ce week-end. Veille simplement à rester concentré. Quoi, il est en couple avec Kate? Marcus, là, il est en couple avec Kate, je crois. Mais en mode, ça se passe pas bien. Ah, il y a une pièce, là. Il y a un truc. C'est quoi? Fermeture, ah, fermeture de l'usine à poisson. Tu répètes ce que je dis. Hein. J'ai pas besoin de toi. Hein. J'ai pas besoin de toi, pélo. J'en ai marre. J'ai crié de peur pour ça, quoi. Ça va être quoi quand ça va être le vrai jeu, là?
Pour le moment, c'est tranquille. Non, mais je sais, mais... Écoutez, je fais un jeu d'horreur, c'est pour vous, d'accord? Bah allez, vas-y, rampe. Ouais, on est d'accord, bah bouge-toi. Plus vite, tu me stresses, avance. Non, je parle de Marc. Charlie, il est en couple avec son job, mais Marc, c'est l'autre. C'est pas celui que je joue. C'est bon, tu te lèves? Ok, c'est bon. Genre vraiment, qui fait ça? T'sais, qui va ramper comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai mis facile, heureusement, parce que moi, je suis pas une rapide du clic. Hein. Je vous le dis direct. PTDR, il va dans les endroits saugrenus, mais clairement, on est d'accord. J'ai le nez qui coule, super. Bon, y a pas une petite pièce, là, une petite piéçounette? Y'a un corbeau, coucou le corbeau. On se croirait dans Dead by Daylight. Ah, salut le corbeau. C'est quoi ça? Ça a pas l'air tout neuf. C'est quoi? Charlie peut utiliser sa passe à cravate pour ouvrir les boîtes verrouillées. Ah ouais, t'as comme un super pouvoir en fait. Y'a une pièce! Qu'est-ce que c'est? Une vieille pièce. Les obols. Sur ce coup-là, j'aimerais faire. Ok, on a une pièce, c'est bien. Il va dans... Un cactus. Quoi? C'était le début du jeu, j'ai glissé et ça... Ok. C'est... Désolé si de temps en temps, je suis un peu dur, mais... Sache que sans toi, j'arriverai à rien. C'est pas vrai. Je suis peut-être au volant. Au volant? Celui de Lonit Entertainment. Mais ah, c'est toi qui fais tourner le moteur. Tu connais rien en bagnole. Bon, ça va, j'essayais de te faire un compliment. Merci, mais... Charlie. C'est pour saisir les objets mobiles, mais je te le saisis là, ton objet, X. X. X, pas A. X, c'est donc A, c'est peut-être là-bas. Là, c'est là, X. C'est ça? Ah, d'accord. Bon, hop. Vas-y, monte, monte. Non, mais tombe. Allez, ça démarre bien, là. Pélo, tu peux y aller, là. Accouche. Voilà, on y est. En fait, c'est non, bon, pourquoi on rentre dans ce truc-là? Il va y avoir un screamer, c'est sûr. Je vais pleurer. Essaye de chercher des tableaux cadres, c'est des prédictions. D'accord. Pourquoi j'entends du bruit? Pourquoi j'entends du bruit? Wow, c'est quoi ce truc? Je sais pas où me cacher, moi. Les membres de l'équipe ne peuvent pas se faire repérer en étant cachés. D'accord. Maintenez la touche LT. Ravi de t'avoir rencontré. C'est quoi? Qui? Que? Quoi? 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 Qui? C'était quoi ça? C'était quoi? Non mais non hein! Mais c'est... Non? Alors on m'a dit de regarder les tableaux. Je regarde les tableaux. J'ai pas peur, ok? J'ai pas peur. J'ai peur. C'est quoi ça? Wow. Un bateau qui explose. D'accord. Super. Oh. Oh là là, mais me dis pas qu'on va aller là-dedans. Je vais canner, je vais canner, je vais canner. Il manque plus que des draps propres et de jolis rideaux. Et quelques litres de désinfectant. Ouais, 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 clairement des désinfectants, je te le dis, moi. J'ai peur. Je suis désolée, j'ai un peu du mal à... J'aime pas pourquoi on est dans le noir et on voit rien. Avance, Pélo, bouge-toi. T'es lent là dans les escaliers. C'est bon, allez, on n'a pas peur, congé, on n'a pas peur. J'ai peur. Pourquoi t'as pas ta lumière? Allume ta lumière! Charlie, ça devient carrément flippant là. Ça ah va, ouais. C'est de la taxidermie. Détends-toi. Un hobby quoi. Non, 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 c'est pas un hobby ça. Y'a quoi par terre là? Ah, examiner, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est dégueulasse! Il a bougé. Quoi? Ce truc. Il a bougé.
J'entends du bruit. J'en peux plus. En fait, faut s'attendre à tomber sur un truc à tout. Alors, ça je sais, aller, hein, je sais, mais... Ça n'empêche, je flippe, ok? Je flippe, j'ai peur. J'ai pas le choix. Vise-moi ça. C'est parfait. Allez, à toi de bosser. Tu me fais un panneau sur le lac, jusqu'à ce que l'île arrive dans le champ. Ok. Et là, tu zoomes sur le phare. Ok. Hé, c'est le bateau. Allez, viens, on redescend. Ça va vous prendre 2 heures à redescendre, là. On a mis tellement de temps à venir. Ouais, ellipse narrative. C'est plus simple. Ma pauvre conjure, tu ne vas pas survivre. Je préside qu'ils sont là c'est pour lui. Les photos, quand même. J'en sais rien. Je joue sur PC. Mais comment il a su de quoi parler notre docu, au fait? Je ne lui ai pas demandé. Comment ça, c'est t'as bizarre. Pas demandé? Essaie d'être sympa, ok? C'est d'être sympa, Pélo, moi j'ai peur, je t'explique. Quand j'ai peur, je suis pas sympa, ok? Bonjour, monsieur Lonit. C'est moi. Je Donc suis Grand Tempest. Nos meilleures discussions pendant qu'on est à bord, le bateau va partir. Voici Marc. Marc. Erin. Bonjour, Marc. Jamie. Enchanté. Erin, Jamie. Et voici Kate. Kate. C'est un honneur, monsieur Dumet. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez à nous montrer. Et quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Très heureux de vous rencontrer. Bien, mettons-nous en route. Non, au fait, pas... je vous remercie encore pour votre offre généreuse. Ce n'est rien. C'était donc votre grand-oncle qui... Encore un peu de patience, je vous prie. Là-bas, je vous expliquerai tout. Oui, d'accord. Il a l'air stressé, le mec. Il a pas l'air genre, ouais, je suis content de vous recevoir, tu vois. Il a l'air stressé de ouf. Enfin, je sais pas, il avait l'air stressé. Vous en pensez quoi? Il y en a qui disent qu'il est beau gosse, c'est bon, ça part sur des... C'est... Il est beau gosse. Moi, j'ai juste peur et là, ça parle de c'est beau gosse. C'est quoi ces bruits? C'était quoi ces bruits? On aurait dit quelqu'un qui se débattait. Oh là là. Je sais pas c'était quoi ces bruits, j'avoue. Quelqu'un qui se débattait, ouais, qui était attaché comme. Nous allons prendre le chemin de l'hôtel. Merci de. Rester groupé. On ne s'éloigne pas. Elle est dangereuse, cette île? Non, aucun danger. Vraiment? Je vous trouve pas très convaincant. Mais j'avoue. Vous ne craignez rien. Mais nous sommes loin des secours. Si quelqu'un vient à se blesser, alors. Prudence. En tout cas, la propriété est bien balisée. Waouh! Suivez-moi. Vous pouvez laisser vos sacs. Je vous les ferai monter. Ah bon? Agacement, je ne suis pas venue en redonner. Espièglerie, essaye de ne pas cracher tes poumons. Bon, espièglerie. Je sais pas. Respire bien doucement, Charles. Elle est aimable. Ce serait dommage que tu nous craches tes poumons esquintés. Ça ira. Dis-toi que ton paquet de clopes t'attend au haut du chemin. Tout ce qui est beau et moche à c'est l'intérieur. C'est vrai que M. Dumet ne plaisante pas avec la sécurité. Ah ouais, c'est vrai. Je me demande ce qui veut empêcher d'entrer. Tu devrais plutôt te demander ce qui veut empêcher de sortir. Jamie. Je dis ça. Faut que t'arrêtes les films d'horreur. Ils protègent sa vie privée. Aucun danger, mais on oui, on y croit. Début. Depuis le début, ça fait 2 heures. Allez, avance. Marc, prends ta caméra. J'aimerais tourner une petite. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Inactivité détectée dans ton live sur TikTok? Mais pourquoi? Live will end. Mais quoi? Pourquoi c'est inactif mon live TikTok? C'est quoi les gars? Ah, c'est parce que je clique pas avec le clavier. C'est pour ça. Bon, contente que ça plaît aux gens sur TikTok. Je suis désolée. Sur le chemin de l'hôtel. Je sais pas pourquoi. Pas besoin de tout si filmer. Je suis en Kate, manette, tu mets face caméra pas. Et je te dirige d'ici. Ok? Pas de photo. Aucune image de moi. Merci. C'est bien clair. Je tiens à ma vie privée. Pas de soucis, monsieur. Gars. La discrétion a toujours été notre mot d'ordre. Je te fais l'intro habituelle, Charlie? Oui. Lumière, ok. Pour moi, c'est quand vous voulez. Erin? Le son est nickel. Parfait. Allez, c'est parti.
Non, c'est pas la même ambiance. Est-ce que Kate est prête ? Moi, je suis toujours prête à tourner. Arrête. Enlève tes lunettes peut-être pour tourner, non ? Ça tourne. Idem. Et... action. La politesse, je me trouve aujourd'hui sur une île privée qui renfermerait une collection d'objets ayant appartenu au terrible H.H. Holmes. Et je me dirige vers l'hôtel. Parfait, Kate. Tu te tournes vers la maison. Et... vas-y, tu marches. Ça suffit. Allons-y. Et coupez. Il faut vraiment que nous avancions. Comme vous voudrez, monsieur. Il a coupé la scène. Par là. Tu feras d'autres plans, hein. T'inquiète. Je le sens pas. Ah, c'est qui, ça? Oh, vous avez vu, il y avait quelqu'un. Vous avez vu? Monsieur Dumet est un homme bien mystérieux. J'ai remarqué. Je voudrais que tu fouilles les environs, sans qu'il le sache. Il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Bah oui. Je veux savoir ce qu'il essaie de cacher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu fasses comme avec les flics à Glendale. T'es sérieux? Ah! Aïe! Oh merde! Putain! Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? T'as trébuché sur ton ego? T'aurais pu dire « Oh, punaise, zut !» T'as trébuché sur ton ego. Je peux pas marcher. Jamie, reste avec elle. Pourquoi moi? Tu es la plus qualifiée. Tu l'as soignée à Glendale. Tu t'en souviens? Oh, ouais. Ok. On va chercher de la glace et des bandages, hein. Fait. Vous avez ça à l'hôtel? Oui, bien sûr. Alors, en route. C'est quoi ce cirque? Viens, je t'expliquerai plus tard. Fini par prendre des cours de théâtre? Ouais. Il veut quoi, Charlie? Plus d'infos sur le terrain. Et pourquoi ça tombe sur nous? Je suis charmante. Et toi, tu sais déjouer la sécurité. Allez. Je suis pas sûre que tu sois très charmante, Kate. Oh, je rigole. Je sais pas, il y a un truc avec Kate que je sens pas, ou je sais pas. Ok, on va explorer l'île. Moi, je te dis, j'y vais à la voile again, là. Allez, hop, fais ça, cours. Voilà, on court, on y va, nous. Hé, si je te pose une question, tu peux me répondre sincèrement? Je veux dire, sans que tu fasses la maline comme toujours ou que tu me balances une de tes vannes. C'est donnant. Pourquoi il y a une paire de talons? À ton avis, est-ce qu'on a une chance de sauver l'émission? Secret trouvé, RB. Si on chope le Saint Graal des images... Comment j'ai fait dans cette baraque. C'est quoi, secret? C'est quoi, RB? Ah, c'est ça. Non? Ah, secret. Sélection... J'ai trouvé quel secret, moi. Ah, nouveau. Le 10? J'ai pas raté 10 secrets, c'est pas possible. Escarpa au talon cassé. D'accord, ok. J'ai raté 10 secrets? C'est pas possible. Tu crois que c'est possible? Non. Au mieux, on aura des images sympas, mais c'est pas ça qui va nous sauver les miches. Bon, en gros, faut qu'on parte. Keep out. Ok, on a compris. Un peu d'escalade. Allez, moi j'y vais à la wall again. Ah non, c'est pas par là, c'est par là. Et là, tu t'abaisses. Attention à la tête. Ok. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'as du mal à te déplacer, poulette. Oh! Oh, est-ce qu'il y aurait pas une petite pièce là-bas? Un petit truc ici? Non, y'a pas. Pour se déplacer, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Et là, s'il y a pas un petit truc... Bon, je check de partout au cas où, hein. J'aime pas rater les trucs, moi. Je suis un peu une psychorigide là-dessus. Il aurait pu nous le dire qu'on allait faire du sport. On grimpe là-dessus, on fait quoi? Non, on peut pas, là. On va où? On ne pourra pas sauter. Où est-ce qu'on va? Ah, on va là-bas, ok. Je vais checker là. Non, il n'y a rien. Saute. Vas-y, saute. Alors, attendez. Pourquoi tu te déplaces pas, Cocotte? Donc là, j'appuie sur Évite A. Évite de te tuer en tombant. J'ai pas envie de consoler Marc. Merci, okay. De t'inquiéter. En vrai, ça me touche. Ouais.
Ok, ok. Voilà, très bien. Ils sont où ces potes? Alors là, elles sont que toutes les deux pour l'instant. Elles doivent trouver des informations. Écoute, on cherche. Oh, il y a un truc ici. Je me demande où ça mène. Ça monte et ça redescend. Oui. Mais il y a quoi de l'autre côté? Ouais, c'est vrai. T'as raison, il y a quoi? Moi, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas si j'ai envie de savoir ce qu'il y a. Allez, courte échelle, vas-y. Ça s'appelle pas une courte échelle, ça, non? Ça s'appelle comment? Si, une courte échelle? Coucou Anne, pas de soucis, t'inquiète, tu auras la rediff si jamais t'as pas vu le début. Et en plus, il risque de pas avoir de vous cul. Vous vivez ici, sur cette île? Chut. Baisse-toi, avec votre famille? Ma femme est... décédée. Monsieur Dumont, dites-moi, est-ce que c'est bien un palmier? C'est quoi LT pour se cacher? Je me suis pas cachée. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois qu'ils nous ont pas vus. Enfin, que Dumet nous a pas vus. Tu es nul. Si c'est une courte échelle, ok. C'est dangereux d'être juste toutes les deux. Ouais, j'avoue que c'est pas dingue. Bon, LT, c'est la gâchette. Ouais, c'est la gâchette, ok, ok, ok. Il faut rester appuyé. Oui, moi j'ai pas à rester appuyé. Wow, il y a des trucs à voir là, non? Ok. C'est verrouillé. Donc ce sera déverrouillé plus tard. S'il y a un cadenas, c'est qu'on pourra le déverrouiller. Attendez, j'ai envie de checker un peu de partout. Que je rate pas une petite pièce. Et là-bas alors? Oui, on va aller là-bas aussi si tu veux. Bon, on y va, on y va, on y va. C'est bon. Madame, elle se plaint là. Pourquoi je peux pas courir? Cours dans le bon sens, s'il te plaît. Dans le bon sens. Tu sais courir dans le bon sens ou pas? Oui, voilà, merci. Allez. Et mais franchement, je sais même pas si j'arrive à me hisser, moi. Je fais plus de sport, hein. C'est des sportifs, moi, je vous le dis. Hein. Oh, il y a un truc, là. Non? Pas un truc par terre? Oui. Oh, non, pourquoi j'ai regardé ça? Pourquoi? Oh, non, bah... Bon. Ça va, vous passez un bon moment, ma compagnie? On s'amuse bien, hein. Les pièces serviront à quoi? Je sais pas trop à quoi ça sert, les pièces, j'avoue. C'est pas toi qui cherchais un nouvel appart? C'est une prémonition! Pas sûr d'avoir... Attendez, Jamie a vu qui? Erin? Sur un siège qui était inanimé, genre... Oh. Ok, ça se passe bien. C'est quoi ce jeu de rla, là? Ça me saoule. Ok, donc il est fan des oiseaux. Ouais, flemme de lire, hein, c'est bon. Je suis désolée. On veut aller à l'essentiel parce que vous allez mettre un screamer dans la tronche et je vais pleurer, c'est bon. C'est quoi ça? Méditerranéenne. On dirait bien que Dumet a une famille. Ah oui, il a une famille. Photo de vacances, ok, c'est un secret qu'on a découvert, très bien. Bon, soit. Oh, merci beaucoup Miss Simset pour tes 5€, ça fait tellement flipper que j'ai dû mettre le son au plus bas et descendre l'écran et écouter avec un seul écouteur. Oh non, chouchou. Merci beaucoup en tout cas pour tes 5€, c'est très gentil, merci beaucoup. Allez, on attaque là. Allez, 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 allez. Pourquoi tu viens là? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en retard, meuf. On était déjà, nous. Ah ouais, elle a un peu galéré à se hisser. Ça va, c'est réaliste. Parce que moi, j'aurais grave galéré. Il se peut que ce soit par là. C'est quoi, ça? Ah, on monte sur le toit du truc? Non, mais quelle bonne idée, mais quelle... C'est quoi, ce plan? Pourquoi on dirait que quelqu'un nous regarde? J'ai trop peur, les gens.
Bonne nuit aux personnes qui vont faire dodo. Il y aura la rediff, hein, si vous si regardez. Si j'avais voulu faire de la randonnée, je me serais pas installée en ville. J'ai pas signé pour ce genre de conneries. J'avoue, moi non plus. Mais attends, mais on est déjà venu par là. Non? J'ai l'impression. Oh, peut-être pas. On dirait une colonie de vacances pourrie. J'ai jamais fait de colonie de vacances, donc je peux pas vous dire. Allez. Je crois que les pièces, ça sert à rien. Je crois que c'est juste les prémonitions qui sont intéressantes. Hein. Ok. Si j'arrive à déplacer le wagon jusqu'ici, on devrait passer. T'as vu l'état du panneau de commande? Il est mort. Et il y a sûrement pas de courant. Faudra, je pense, retenir l'ordre des trucs, mais bon, je vais pas retenir d'ici là. Hein. Faudra refaire le groupe sur les Sims. Sur les Sims? Ah, recréer. Ah oui, ça peut être sympa, ça. Ah, une petite échelle. Non, je peux pas. Tu veux pas? Tu veux pas? Tu veux... Voilà, merci. C'est que le débit MDR, ça fait pas peur, là encore. Mais tu sais que je vais canner, moi. Et je fais quoi, là? Je saute? Ouais, je saute, ok. Allez, là, on accouche, là. Allez, on veut y aller, nous. On veut aller où ça fait peur, hein. Pas du tout. Ah, super, une pièce. Bon, on en a deux. Je sais pas trop si ça va nous être utile. Mais là, je dois aller où, là? Là-bas? De l'autre côté du portail? Peut-être. Ah oui. Je remets les fusibles? Merci beaucoup, Anne, t'as offert une souscription à l'étoile 30. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est trop gentil, merci. On va peut-être pouvoir le faire démarrer. Là, je fais quoi? Je repasse par là, je suis... Non, pas, non. Par là. Ok, ça s'ouvre. Merci beaucoup, c'est super gentil. Si on finit pas ce soir, il y aura d'autres lives pour terminer ce jeu? Oui, bien sûr, on terminera le jeu. Hein. Clairement, je vais le terminer avec vous. Il y aura d'autres lives, vous inquiétez pas. Je pense pas qu'on le finira ce soir, je vais pas non plus jouer jusqu'à 3h du matin. Ça va être un peu complexe. Et donc là, on doit faire quoi, là? Moi, j'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse, là. Ah mais non, c'est vrai, je suis débile. Excusez-moi. Jamie, t'aurais pas une idée? Le panneau, bah on suit le panneau. Ah, là, je prends le contrôle de Jamie, ok. Je ne suis plus Kate. Appuyez pour équiper du multimètre. D'accord. Et je fais quoi avec le multimètre, là? Wow. Bah le premier ça me paraît être en haut à gauche, non? Quoique je suis pas sûre. Alors, RT. Ah non, j'allume, puis je vais là, puis je vais là, puis je vais là, puis là. Ah mais attends, mais le premier il déconne là. Enfin, le dernier. Lui, il aurait dû être... Bah non, lui, c'est pas bon. The ring here is ancient. Follow the hollow. And don't go out of sequence unless you want to trip the wall. Ouais, voilà, là, j'ai tout fait péter parce que c'est pas bon. Faites gaffe au mec au ciré jaune, d'accord. Oh, bah déjà, là, on a une énigme. Je vais pleurer, tu sais. Bon, si je fais ça, je le fais à l'envers? Bah non, mais ça va pas. Vous connaissez, vous? Je vois pas en quoi sa box, elle nous est utile, là. Meuf, tu peux aller au bon endroit, s'il te plaît? Merci. Je vois pas en quoi sa box, elle nous est utile, là. Elle sert à quoi, sa box? On, off. Ben oui, ben... Want to trip the wall system, you're welcome in advance. Laura. La meuf, elle s'appelle Laura, c'est mon prénom, Laura, pour vous dire. Tu refais le même truc qu'avant, mais en activant celui en bas à gauche au début. Bah, c'est ce que j'ai fait.
Bah vas-y, écoute, hein. Je vais tout refaire. Peut-être que j'ai fait celui de droite aussi. Ok, c'est bon. It's done. It's okay. Putain, je suis trop forte. Pourquoi vous pouvez pas dire « Ah, trop bien, je suis trop forte » Je vais dire des gros mots, là. Bande de vulgaires. Ok, je reprends le contrôle de Kate. I am Kate. Vas-y, fonce, Kate. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? On monte dessus? D'accord, en fait, on a juste traversé. Bah, super, ça. Qu'est-ce qu'il y a, là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'entends? Le ciré jaune! Quelqu'un en ciré jaune! J'ai peur! C'est qui? Se cacher! Cache-toi, je t'en supplie. Comme ça, c'est bon. Je suis cachée, là! Oh, j'ai peur. Je reste appuyée. Cache ta tête! C'est qui ce mec? Ou cette meuf? Je pense que c'est un mec. Non mais moi j'ai trop peur en fait, je vous explique. Je vais canner! Je me demande ce que c'est. C'est quoi ce type de substance? T'es pas sans savoir... ça chez toi? Non? Substance dangereuse, tout ci, tout ça? La porte est bloquée, oui. Bah, tu veux que je te fasse quoi avec la porte bloquée? Oh, faut qu'on passe par un autre endroit? J'ai vu deux let's play dessus, donc je connais le jeu. J'ai pas pu y jouer personnellement, malheureusement. Oh, ok. C'est le fameux talon de la chaussure cassée. Ok. Bon, accouche et lâche-nous ce talon parce que t'es un peu lente là. Bon, c'est là qu'on va. D'accord. Allez, courte échelle. Mais tu connais Conjure en vrai ou pas? Comme ça, je connais. Oui, j'ai déjà entendu parler de Dark Picture, mais j'avais pas vu de let's play dessus. Hé hey. T'as plus mal à la cheville? Oh, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de me reposer une minute. Ça devrait aller. Il y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu, voilà. Monsieur Dumet. Tout le monde est là. Allons-y. On va gentiment suivre Monsieur Dumet sans se disperser. C'est compris? Charlie, genre, okay. Alors que c'est lui. Qu'est-ce que t'en dis? Un camp de vacances en enfer. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin. T'inquiète pas pour ça. Moi, j'aurais pris des armes sur moi, genre, je sais pas. Un couteau. J'ai peur. Tu viens? 0 oh. sur 10, le talent d'actrice. Ouais, grave, elles sont nulles. Genre, ah, ça peut-être. Va beaucoup mieux. T'as raison, elles sont trop nulles. Oui. Ah, il a le vertige. Oh non, on va tous mourir. Mais arrête de te moquer de lui, c'est nul. Moi. Oh là là, détends-toi, Mar. Jamie, c'est pas bien de rabaisser les gens alors qu'ils ont peur. Hein. Je n'aime pas Jamie. Oh, voilà. C'est vachement haut. Ça va? La vache. Gaieté, tu veux grimper sur mon dos? Empathie, tu peux y arriver. Moi, je vais être gentille. Tu peux le faire. Regarde devant, pas en bas. Ça ira. C'est bon. T'en es bien sûr? J'aurais pas dû regarder. C'est rien que de l'eau en dessous. Tu sais nager. En plus, le pont a l'air plutôt solide. Non? Allez, je suis là. Je sais pas si vous avez le vertige. Moi, je n'ai pas le vertige, j'avoue. J'ai peur de tomber dans le vide. Genre la sensation quand tu tombes. Là, je suis pas bien. Mais genre, je peux être en haut d'un pont et il y a du vide en dessous. Je regarde pas. Tu regardes tout droit. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage pour la suite. Des bisous. C'est pas dur. Bisous.
Les images sont super réalistes. Ouais, c'est un jeu vraiment très très réaliste. Hein. Donc eux deux, je crois qu'ils étaient en couple. Mais là, ils sont un peu en froid, genre. Tu trouves toujours les mots pour me motiver, toi. On devrait rejoindre Monsieur Dumet. Ah. Où sont-ils passés ? Excusez-les, ils viennent de la ville. Allez, on se bouge, on n'a pas toute la journée. Je le sens tellement pas. Moi, j'ai le vertige. Ok, Isadora. J'aime bien Kate, elle est drôle. En vrai, Kate... Là, je préfère, tu vois, Kate à Jamie, parce que j'ai pas du tout aimé ce que Jamie a fait. Ok, donc, le mec en ciré jaune apporte les affaires. Les valises, d'accord. Ah, mais la maison ressemble à l'hôtel. La maison ressemble à l'hôtel de ouf. On est d'accord ? Y'a rien, mais j'ai quand même peur. En vrai, j'avoue, j'ai un peu peur aussi. C'est beau. Monsieur Dumet, cet endroit est incroyable. Ouais. Ce sera peut-être pas au week-end. On va plus jamais les revoir. Il y a moyen. Ça va, ça va. Moi, j'ai pas le vertige. Ah ! Salut. Je me demande. Ah, y a une gamine. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vu une gamine. Là-haut. Oh, c'était ta seule fan. Et tu la verras plus jamais. Oh, mais elle t'es me saoule à Jimmy, là. Une connasse. Jimmy, faut te calmer un peu, hein. Tout ce ouais, qu'il y a ici ça. Est fragile. Surtout, faites attention. Il aurait reproduit l'hôtel, genre, sur mesure. Quel taré. Mais wow, grave. J'en reviens pas. Ça fait combien de temps qu'on joue ? Depuis 21h. Donc, 1h30, à peu près. Regardez ça. C'est... à tomber. C'est juste insensé. Voulez-vous bien tous signer le registre, je vous prie ? Il n'y a pas tout le matériel, là. Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres. La trousse à maquillage de Kate nous a ralenti. Mais elle me saoule, Jamie. Pourquoi elle n'arrête pas de... Dans le sac à dos bleu. Allez vous installer. Je vous retrouverai pour très le... Très désagréable, effectivement. Mais oui, elle est désagréable, Jamie. À 20h. J'aime pas les Monsieur gens comme Dumet, ça, moi. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment un lieu fantastique. Ils sont en train de se je faire observer. Vous l'avez observer, pas dit hein. Que c'était un super plan. Ah, je le savais. En quoi c'est un super plan, la pélo ? Charlie, moi je le sens pas. Hein. Après, nous on sait que c'est un jeu d'horreur, donc en soi. L'ambiance de l'hôtel, ouais, non, trop creepy, vous avez raison. Elle est en concurrence avec Kate. Ah ouais, tu crois qu'elle kiffe Marc ? Jamie ? Je l'aime bien, Jamie, elle est pas prise de tête. Bah, pour l'instant, là, c'est elle qui prend la tête, hein, franchement. Oula, qu'est-ce que c'est, ça ? Pas de screamer, je vous en supplie, je suis pas prête, mentalement, émotionnellement, je suis pas prête. Ah, te voilà enfin. Boulot, boulot, boulot. Tu n'as pas arrêté de la journée. Et moi, pendant ce temps, je merci me faisais un sang d'encre. Merci beaucoup, 99 centimes, Mus. Merci tu beaucoup, c'est très gentil. Tu t'es volatilisé, sans même me laisser un mot. Annabelle Vibes. J'ai pas vu Annabelle, je sais pas c'est quoi les vibes d'Annabelle, j'avoue. J'avoue, je sais pas trop. Je joue qui, là ? Oh, y'a la gamine ! Y'a une petite fille. Qui fait un câlin au papa. C'est ma chance. Oh, oh pardon. Jamie. T'es à cran. Ah, mon Dieu. Je crois que j'ai failli mourir. Comment? Tu m'as pas entendu? J'étais... Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi, je l'ai vue. Une gamine. Monsieur Dumet a sûrement de la famille, des amis, des employés. Cela dit, n'empêche que... Ce lieu me fout les jetons. Disons que... Il est spécial. Et tu... chantais ? Oui, c'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met du baume au cœur. Ah, ça marche super. Pas vraiment. Dommage. Ah,
Chambre 181. C'est au coin du couloir, je crois. 183. En vrai, elle est mignonne, Erin, franchement. C'est la mienne. Ok. Ok. Tu regardes des films d'horreur? Bonne chance. Ouais. Les films d'horreur, ça me dérange moins. Mais jouer, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu cries. Merci. C'est normal. Y a pas à avoir peur. En fait... Hey ! Oui ? Reste avec moi le temps que je m'installe, on cherchera ta chambre après. Je tiens pas à rester seule dans cette baraque, si tu vois ce que je veux dire. Oui, merci. Je me serais sûrement perdue. Trajectoire réalisée. Jamie a invité Erin dans sa chambre. Dit comme ça... Pardon. C'est qu'un couloir, Erin. Pour l'instant, ça fait peur, mais ça va, tu vois. Bienvenue chez moi. Waouh, c'est... douillet. Espièglerie, vas-y, t'es espiègle. Ouais, c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus si affinité. Je sais pas si t'es au courant. À Topeka, tu parlais en dormant. Ah oui? Et qu'est-ce que j'ai dit? À vrai dire, c'était un tas d'injures incohérentes. Oh là, l'injure. Je dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne, celle-là. Oh, arrête. Tu vas me détester. Mais moi, je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre, mais cette histoire avec Mark l'affecte beaucoup. Arrête, c'est un robot. Oh, c'est pas gentil, Jamie. Y a pas de salle de bain? C'est quoi? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu, ça. Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, j'ai pas envie de surprendre Charlie sur le trône. J'imagine qu'il n'y a pas de mini-bar non plus. Oh, tu es mauvaise langue. What? C'est quoi ça? Du vin. Ça se voit pas. Je sens que si on boit cette bouteille, Charlie va le savoir. Là, il va faire son chef et je vais culpabiliser. Oui, c'est ça. Ouais. C'est son genre. Until Dawn, c'est un dark picture. On bosse pas, là. On a du temps. Ça se fait pas de boire avant. J'ai pas dit non plus qu'on allait se prendre une grosse cuite avant le tournage. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? J'ai soif. Et puis, t'es mignonne quand tu t'énerves. Quoi? Tu me trouves mignonne? Ouh, ça se drague fort. Amusement, quelle maladresse. Familiarité, tu veux le mien? Non, quelle maladresse. T'es vraiment maladroite. Que dirait Charlie? Oh, m'en parle pas. Esprit, ok. Mais c'est quoi ces trucs de traits, oh, esprit, je sais pas quoi? Il est contre le mur, là-bas, tu le vois? Alix. Tu vas bien? Merde. Si tu veux me faire peur, non. Histoire de te venger, c'est réussi. Erin peut utiliser son ignateur pour réduire ses crises d'asthme. D'accord, ok. Tu es sûre que ça va? Depuis quand tu es asthmatique? Alors, t'es asthmatique? Depuis toujours. Grâce au traitement, je mène une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Et le truc, c'est que je dois à tout prix éviter... Il y a quelqu'un qui les regarde derrière une vitre. Les pollens et les gros effets de surprise. Je suis une conne. Tu pouvais pas savoir, c'est rien, promis. T'es sûre? Oui, certaine. Donc, ouais. Douillet. Je le sens tellement pas ce qui va se passer. Oh. Et voilà, empoisonné. C'est buvable. C'est vrai ce mensonge? C'est corsé. Un bon millésime. Ah ouais? Je perçois une nuance boisée, un petit soupçon d'agrume. Je sens que ça va être dégueulasse. Oh. Et un arrière-goût très puissant de vieilles chaussettes toutes sales. C'est infect. Moi, je te déteste. C'est dégueu. T'es une sale menteuse. Ah ouais, tu crois, Iris? Ok. Ah! Malice, j'ai menti, le vin est naze, séduction, je te trouve réellement mignonne, je sais pas, moi! J'ai dit malice. Désolée, le vin est dégueu. Je t'ai menti. Ah
Ok, on a augmenté esprit. C'est peut-être bien d'augmenter esprit. Désolée pour tout à l'heure. Je voulais pas créer de malaise. Quel malaise ? J'ai fait un truc qu'il fallait pas ? Je... Ah, j'ai non, pas fait cette situation, c'est ça que vous voulez qu'on fasse ? On travaille ensemble et... Charlie me reproche toujours de pas être assez professionnelle et... Pardon. Je comprends. Non, enfin, je dis pas que ça me fait pas plaisir. Erin. Ou bien que je te trouve pas mignonne. C'est juste que... C'est... Bon, bah écoutez, let's go. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Elle l'a repoussé ? Oh mon Dieu, Elle l'a repoussé ? Oh, tu m'as eu. Je te charrie, ça fait des mois que je veux t'embrasser. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ok. On leur laisse de l'intimité. Ouh, du calme ! Aïe ! Pardon. Mais ça va Punaise. Pourquoi j'ai entendu du bruit, là ? Qui est là ? Ça me fait pas rire. Moi, je suis juste en mode survie, en fait. Attendez, je me prépare. Charlie ! Sarcasme, ça t'amuse ? Ouais, oh ! Non, là, comme ça. T'écoutes aux portes comme un pervers ? C'est trop cool qu'il soit immergé avec les personnages. Désolé, j'arrivais au mauvais moment. Non, on bavarde, rien de plus. On se demande si ce réseau va supporter tout le matos. Ouais. Si l'hôtel fonctionne sur générateur, faut s'assurer qu'il tienne le coup. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes ? Je ne trouve pas ma chambre, et je me cherche une cigarette. C'est drôle de truc. C'est des nombres. Ils montent et descendent, dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, dans 10 minutes, on se retrouve pour réfléchir à notre premier plan. On a toute la soirée. On fait ça après manger. La marche m'a tué. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne après manger. Je vous laisse 10 minutes. Oh là, la bouche était un peu bizarre. On arrive, on y sera. On bavarde, ouais, grave. Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Pas de cigarette. Pourtant, c'est là que je les ai mises. Tu peux me montrer ? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer les couleurs. Oh, Charlie, tu te calmes, en fait, je t'explique. Séduction, affaire à suivre. Bon, allez, vous voulez séduction, je fais séduction. Alors, affaire à suivre ? Mais ouais. Charlie, il m'a gavé, là ! Vraiment. Mais frérot, pense toi-même à tes plans, ton découpage technique, là. Mais brut, bonne chance, travail bâclé, ça. J'adore mes modos. Dans le chat. On fait quoi ? On est en train de jouer à un jeu d'horreur qui s'appelle The Devil in Me. Mais arrête de boire ton alcool bizarre, là. Oh ! Allez, Monsieur Dumet ! Plus vite ! Il court ? Monsieur Dumet s'enfuit. Mais bois pas ça, meuf, tu vas être ronde. Je le sens pas, les gens, je le sens pas du tout. Oh, il a bougé le miroir. Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est une statue genre mannequin ? Ok, je joue Charlie là. Alors ? Je cherche. Ah non, Kate, t'as trouvé ça pour toi. Briser ses chaînes. Comment se libérer de son anxiété ? Vous vous foutez de ma gueule là ? Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton stress. Mais même pas en rêve. Je suis pas stressé. Ok ? D'accord. Franchement, j'ai l'air stressé ? Oui. Oui. C'était pas une question. Ok. Ah, elle est classe ta carte de visite. Je sais. C'est le relief. Ça fait toute la différence. Les cartes de visite, ça fait vieux.
Toi, t'es vieille école, qui bosse à l'ancienne. Je les ai imprimés en cartonné. Charlie peut utiliser sa carte de visite pour ouvrir les tiroirs verrouillés. Le logo est en alu. D'accord. Merde. J'aurais dû en préparer une pour Monsieur Dumet. J'aime tu les as trouvées ? Pas l'ambiance. Non. Je t'assure que je les ai bien prises. Je comprends pas, là. Ah, bon sang. Instruction, soit méthodique, désespoir. Instruction. Bon, et si t'arrêtais de fouiller dans ce truc n'importe comment, essaie d'être méthodique. J'aurais pas dû faire ça. Sac à dos bleu, la poche de devant, j'avais bien mémorisé leur emplacement. On s'en fout des cigarettes. Disparu ? Comme par magie. Mais c'est pas nous qui avons les sacs. Qu'on les a piqués ? Bah oui, c'est possible. Je m'étonnerais pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Mais non, mais le mec au ciré jaune. Désolée. Vas-y, flemme de lui. Ah ! Retenue, frustration. Non, retiens-toi, c'est bon. Tu te calmes. Passons à autre chose. Tu te calmes, Coco. Hein. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro même à ce point ? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, non ? Eh ben, légalement, c'est interdit de fumer dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Bah, lui pardonner, elle a rien fait, wesh. Y a rien à visiter, là ? À regarder ? Attendez, parce que... Petite prémonition, un petit truc sympa. Je le sens tellement pas. Ah, je sais même pas un où je vais... Un endroit pareil, c'est... J'en reviens pas de la chance qu'on a. Tu crois pas que je les cours, autres moi, épisodes bon, ont là, l'air nuls, j'y vais, moi, j'ai peur, je m'en fous. Ils sont nuls, ah, c'est un fait. Je suis enfermé là. Mais celui-là, il va marquer les esprits. C'était pas le bon endroit. Voilà, t'as tout compris. Me lâche pas, Erin. On va cartonner. Tu crois qu'on va être reconduit ? Laisse-moi m'occuper de ça. Contente-toi de m'aider comme tu le fais d'habitude et je ferai en sorte que tu gardes ton boulot. Ça te va ? Ouais. J'ai tellement peur. Déjà, il pense à lui-même ses cigarettes. Bah ouais, il a qu'à les avoir sur lui. Enfin, c'est un peu bête quand même. C'est quoi ça ? Dumet, un mail. Merci de me permettre de vous contacter directement. Votre directeur m'a dit que vous aviez hâte de me rencontrer. Il semble que nous ayons un intérêt commun. Voilà plusieurs années que je conçois une attraction touristique sensationnelle centrée sur l'histoire de H.H. Holmes. À l'intérieur, une réplique exacte de l'hôtel de l'exposition universelle. Celle-ci n'est pas encore ouverte au public car j'aimerais peaufiner quelques détails et j'ai pensé que vous seriez la personne la mieux placée pour m'y aider. Nanana. L'attraction étant prévue pour des groupes de 5, je voulais choisir 4 personnes parmi vos proches pour vous accompagner. Je tiens absolument à ce que cette invitation reste confidentielle. Oui, ça paraît très louche, quoi. Merci de me confirmer votre venue par retour de message en y joignant la liste de vos invités. Si vous acceptez ma proposition, une limousine viendra vous chercher à 19h vendredi sous le pont ferroviaire à l'angle blablabla. Et c'était Dumet. Ok. C'était le 14 octobre et là, on est le 26 octobre. C'était pas pour nous, ça. Y'a pas une petite prémonition, là, les gars ? Attends, parce que moi, j'ai envie de checker un peu de partout, quand même. Là, c'est verrouillé... Ok, bon, il n'y a pas de prémonition. Au moins, on aura checké. Je commence à avoir les yeux qui fatiguent un peu. Ça va le faire. Dire que dans 17 minutes, le live est fini. Non, mais de toute manière, je pense que je vais continuer un peu le chapitre. Pour la prochaine saison, je me disais que je pourrais tenter des trucs niveau son, des trucs créatifs. Erin, tout ce que tu fais pour la boîte est déjà extrêmement précieux. Genre, porter tes sacs et m'occuper de ton linge sale. Exactement. Pour réussir dans ce métier, il faut savoir faire ses preuves. Montrer qu'on est motivé. Je ne sais pas. Eh, monsieur Dumet est peut-être dans son bureau. T'as qu'à lui demander s'il a des cigarettes. Je crois qu'il te faut un assistant. Un assistant ? C'était une idée stupide, Charlie, mais un assistant. Oh. Un assistant personnel ? C'est ça. Comme ça, je pourrais aider au montage. Excuse-moi. Kim Jamie, pourquoi ? Au montage ? Le mixage audio. Je me dis que t'as plein de choses à m'apprendre avec ton expérience. Alors, ça, ce serait l'occasion de transmettre ce savoir. Jackie, Scott, Grace. Ouais, t'as peut-être Allison, raison. Allison, Lewis. Et un assistant ne perdrait pas mes cigarettes. C'est en 2022, ok. Exactement. Dis,
Tu veux toujours réaliser des films, Charlie ? Joseph, Michel, Francis, Charlie, Kate, non, Jamie. Mais un vrai film, quoi. Il y a des gens qui viennent. Avec un gros budget. Et soi-disant, ils ont un check-out. Erin, il y a une chose importante qu'il faut que tu comprennes. Dans notre métier, la seule véritable star, c'est quoi ? C'est la vérité. Ok. Ah, je vois. Ok, pardon, Charlie. Donc, Tard, il est où ce bar, là ? On peut changer de sujet. Oui. Il est où le bar ? C'est là ? Il est où ton bar ? J'en ai marre. Oh. J'imagine que je devrais être content d'avoir perdu mes clopes et pas notre matériel. Bah oui. Je sais pas où il est le bar. Ah, attendez, il y a un truc là. Avec ta clé magique, là. Ok. Donc là, on va ouvrir le tiroir. Putain, c'est un peu long, quand même. Alors, on a quoi ? Wow, ça me fait peur quand ça fait des trucs comme ça. Monsieur Hector Monde... En 92, nous vous remercions d'avoir choisi Twilight Prairie comme résidence pour votre mère, Lucinda. Se plaît déjà beaucoup chez nous, les visiteurs peuvent venir aussi souvent qu'ils le souhaitent et nous attendons votre venue avec impatience. Linda Price. Ok. Ton matériel coûte plus cher que tes clopes, c'est sûr, mais grave. Les cadres avec une partie du corps, c'est des inscriptions. Ouais, c'est ça, c'est des prémonitions. Ça, j'avais l'air d'avoir compris. Bon, par contre... Bon, là, il y a écrit private. Ouais. Il est où le bar ? Ou c'est moi qui capte pas où c'est ? Je sais pas. Mais c'est où le bar ? Bon, il doit être là où j'ai ouvert une porte, techniquement. Bah ouais, si elle est restée là-bas, c'est que ça doit être là. Mais je sais que c'est verrouillé. Mais je fais quoi ? Super. Bah, tu veux que je fasse quoi, là ? Je fais quoi ? J'ai pas cramé avec la... Mais... Erin, tu peux pas m'induire, là ? Parce que je comprends pas. Erin, tu bouges pas, tu fais rien. Erin ! Sers-moi à quelque chose, s'il te plaît. Les gars, elle sert à quoi, Erin ? Mais, faut que je trouve une clé quelque part ? Bon, je suppose. C'était par là, la clé, alors ? Mais, ah, elle est là, la clé, pétard. Je suis débile. Excusez-moi. C'est un peu la fatigue, hein. Faut pas se le cacher. Erin ! Ça fait déjà 4h30 que je suis en live. Je commence à fatiguer, là. 4h45. J'arrive, j'ai trouvé la clé, Erin. J'aimerais bien qu'on ait un peu des moments un peu plus tendax, quoi. Ce serait bien, quand même. C'est un pervers, le gars derrière le miroir. Bah, il y a de fortes chances, oui. Un fou, surtout. Hop ! Nous sommes au bar. Je vais voir s'il n'y a pas une boutique de souvenirs où ils en vendent par là. J'ai déjà fait une crise d'asthme aujourd'hui, je préfère éviter ce genre de nid à poussière. On y trouvera peut-être des clopes. C'est bien l'idée. T'es génial. Ok, fouiller le bar à la recherche de cigarettes. Hein ? Oh, un truc là. C'est quoi ça ? Monsieur Dumet ? Monsieur Dumet ? Ouais. Alors, 17 novembre 2017, une fois encore, j'aimerais vous remercier, vous et votre équipe, pour le travail extraordinaire accompli à l'hôtel. Je vous adresse par ailleurs mes sincères condoléances. L'accident dont a été victime l'unité réduite sur le lac est tout bonnement tragique. Je m'en sens en partie responsable. Permettez-moi de me montrer ma gratitude en vous invitant, vous et le reste de votre équipe, à la grande cérémonie d'ouverture. Mais en fait, c'est des gens qui se sont fait tuer, quoi. Mais d'où Jésus tes clopes, là ? J'adore lire. Ah, il y a un truc, là. Cigarette. Ah, il y a écrit cigarette. Ah, il y a un paquet. Ouais. Ouais. D'accord. Oh.
Forcément, il n'en a point. Bon. Pour une pièce ? Je sais pas. Il faut une pièce, mais on a des pièces, nous. Oh, il m'a fait peur, lui ! Screamer, ça va être un screamer, c'est sûr. Ça va être un screamer, le gars là-bas, on le sait. Ah, je dois faire ça. On sait que ça va être un screamer. On sait, on se prépare. Je paierai ma tournée. Promis. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Moi, les bruits comme ça, moi, j'ai peur. Ouais. Par ici, mes jolies. Oh. C'est coincé. Hé. Hé. Attends, faut que je fasse quoi, là? Oh non, 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 pitié. Sérieux, non. Mais Pélo, pourquoi t'as pas un paquet de clopes sur toi? Je comprends pas. C'était accro à ce point. Moi aussi, j'ai eu un peu peur. Mais on est d'accord, ça fait peur. Obtenir des cigarettes au distributeur. Quoi? Je peux pas le tabasser. Non, non, pitié. Je fais déjà une journée de merde. Et toi, t'en remets une couche. Oui, d'accord. Bah, faut pas fumer, voilà. C'est la... Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Oh, ça s'est rallumé. Il a pas été dans le vide, là, par contre. Hein? 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 Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai peur! Quoi? Non, allez, machine de merde, tu vas pas me faire ce coup-là! Parle mieux! Les gros mots, c'est pas beau! Y'a quelqu'un derrière nous! Y'a quelqu'un derrière nous! Y'a quelqu'un derrière nous! Donne-moi ce paquet! J'ai peur! J'ai peur! J'ai peur! C'est qui? Très bien. D'accord. Je vais chercher ma chef machiniste. Et elle va te défoncer la gueule. Hé, Charlie! Ouais? Je suis toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner, il faut... Mais y avait pas quelqu'un derrière? Ok, j'arrive. Oui, c'est un automate, Alix. Je te retrouverai plus tard. Mais par contre, l'autre, il bougeait pour de vrai, hein. T'es avec quelqu'un? Qui c'est derrière le comptoir? Quoi? Ah, il y a des caméras dans ses yeux. Arrêtez avec vos musiques de rla, là. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Hé, hey, j'ai une idée pour le prologue. Tu veux que je te... Ouais, si on arrive avec des séquences déjà prêtes, Charlie arrêtera peut-être de réécrire ce que je propose. Ouais. Ok, très bien. Quoi? Rien. Une minute et je suis à toi. Tu veux me faire croire que là, il n'y a rien qui te tape sur le système? Oui. Mais combien de fois tu l'as frotté, cet objectif? Je prépare mon matériel. Vraiment? Ouais. Tu t'attaches trop aux détails, Marc. Et si pour une fois, tu prenais le risque de... Attendez. Pourquoi c'est pas synchronisé, là? Tu tournais en rond pendant une semaine avant de finir par refuser un boulot. Tout ça parce que ça te rajoutait un changement sur ton trajet. Honnêteté, cynisme... honnêteté. Ce job n'était pas pour moi. C'était pas que le trajet. C'est bidon. Je te crois pas. T'es pas obligé de me croire. Ils se disent allez, pas, on oh tourne non, trop ce plan. Bizarre, what the fuck, y on a assez avant. De lumière pour se débrouiller sans les autres. Il y a un puits de lumière dans le hall. Ils tuent que quand ils sont tout seuls. Je veux quand même que l'image soit propre. Enthousiasme, apaisement. Tu illumineras l'image, c'est gentil. Tu illumineras l'image, je m'en fais pas. Tu dis ça pour me rassurer? Oui. Et ça marche? Ça marche pas mal. Oulala, c'est déjà ça. Marc, pourquoi tu lui laisses croire que c'est moi qui t'ai largué? Si Jamie connaissait la vérité, je crois qu'elle me lâcherait. Eh bien, c'est ce qu'ils ont pensé. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Ou les deux. Profitons de la lumière, allons-y. Hésitation, je peux dire quelque chose? Vas-y, parle, dis. Avant qu'on... Je peux... Dire un truc? On s'était mis d'accord, on s'en tenait au boulot. Exact. Donc je te demande de m'épargner ta psychologie à deux balles. Je...
Ok. D'accord. C'était pas cool. Désolée. Wouh ! Ça sert à rien de ressasser. Ça balance les bails. Sérieux, la rupture est difficile, soutien, c'est vrai, pardon. Bon, allez, soyez gentils entre vous, là, vous m'avez gazé. C'est vrai. En fait, on fait des choix de discussion, et après des choix de... Vous allez voir de... Enfin, je crois, hein, de ce que j'ai lu dans la description sur Instant Gaming. Bon, des choix, un coin de lumière et tourne d'étapes qui vont faire qu'on va se protéger ou pas se protéger. T'as besoin de moi parce que t'as les bras trop courts pour te filmer toute seule. Mes bras sont pas courts. Ok, je joue qui ? Ok, d'accord. On va où ? Le balcon devrait offrir un cadre sympa. Faut trouver un moyen de monter. Attends, moi je vois ça, j'ouvre. Hein. Wow. Utiliser la caméra de Marc. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées ? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. Ah, c'est sa chambre ? Autant la thérapie de couple est bénéfique, autant les règles imposées sont débiles. Alors attendez, c'est quoi ça ? J'avais peur que tu dormes sur le canapé du studio pendant des mois à attendre de trouver l'appart parfait avec le bon papier peint, près du bon arrêt de métro ou de bus ou... On devrait peut-être ajouter ça à la liste des sujets de discussion interdits. Ok, d'accord. Ouais, je la suis. Ça vaudra mieux. Faut pas que je rate une prémonition, j'aurais peut-être raté une. Je peux venir le week-end prochain pour récupérer mes affaires. Attendez, attendez, je vais checker les murs là, s'il n'y a pas une petite prémo. C'est quoi cet endroit ? Il y a quelque chose ici. Oh, ça sent mauvais, ça. Ça sent mauvais de ouf, ça. Une petite primo, là ? Non ? Non ? Si, il y en a une, là ! Ok, c'est quoi ? Dans l'eau. Charlie. C'est tout ? Je suis pas dans le caca, moi. Je n'y vais pas. Je suis Kate. Moi, perso, j'irai pas. J'avoue. Ah, là, il fait jour, là. Si du maître nous surprend ici. Est-ce qu'on en fera une de ces règles ? C'est pas encore la nuit. Il nous oh, a dit examiner. De ne pas nous balader. Et on a pratiquement défoncé une porte pour entrer ici. Hein ? Donc, on ferait mieux d'être prudent. Y'a un monsieur ! J'en suis bien d'accord. C'est lui qui va nous tuer, ouais. Merde ! Ça m'a foutu les jetons. Pas qu'à toi, Marc, pas qu'à toi. Y'a pas que toi qui a eu peur, ok ? J'en ai marre de ce jeu. Ça me rappelle des tas de souvenirs. J'ai gravé plein de trucs sur mon pupitre au collège. Rebelle. D'accord, super. Je suis très contente de le savoir. Moi, je manque le coquillard. On voit rien ! Was it the devil ? Le diable incarné. J'en ai marre. C'est en train de me stresser. Depuis la publication de son premier livre en 2002, Joseph Morello nourrit une fascination pour les tueurs en série. Ok, c'est sûr, c'est Joseph Morello, là. C'est sûr, et c'est lui qui va nous tuer. C'est ça. Enfin, après, je dis ça, mais en soi, c'est peut-être complètement faux ce que je raconte. Pourquoi on voit aussi peu quelque chose, là ? Qu'est-ce que je dois chercher, ici ? Marc peut déplier son monopode pour atteindre des objectifs en hauteur. Oui, bah déplie ton monopode, Coco, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? T'es, mais c'est flippant, là ! Je sais pas où je suis ! Mais qu'est-ce que je déplie le monopode de quoi ? Bon, tu m'as saoulé, on dégage, ça me stresse. Courage, conju, merci ! Franchement, hein, si j'étais pas avec vous, je le ferais pas. Hein. Oh, attendez, il y a une pièce là-bas. Je vais pas vous le cacher, je ne le ferai pas. Oh, c'est quoi cet endroit ? Là, la clé. Faut qu'on trouve comment passer.
La clé de quoi? De la porte? Moi, des fois, moi, je vais aux endroits où il faut aller, mais tout de suite, tu sais. Non, mais t'as vu ce papier peint? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, ce papier peint? Quoi, je sais pas, vieillot, tu meurs. Oh, j'en ai rien tout à carrer, meuf, que ce soit vieillot, je m'en fous. Je m'attendais à une façade déco. On voit rien! Mais une déco moderne. Ça me stresse. Ah, faut monter à l'échelle, ok. On dirait que Dumet essaie de préserver le passé. Ça doit être galère d'être aussi isolé. J'aime les vieux machins. MDR, elle a peur de ses propres objets. Mais il faut aussi vivre avec son temps. Vous moquez pas, c'est pas gentil. Tout ça va moisir. On fait quoi aujourd'hui? Coucou, le moisi. On fait un jeu d'horreur. C'est ça. Quoi? Depuis qu'on est arrivé, je sens une légère odeur dans l'air. J'arrivais pas à la définir, c'est le moisi. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je suis. Ok, ça c'est pour avoir un peu de la lumière, genre. D'accord. Vieille demeure. Des poissons morts sur la plage, des bestioles dans les faut bois. Faut que je pousse ça, c'est ça? Tout est possible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de vie. Ok. Je pousse. Vas-y. Ok. T'as une petite lumière rouge. Ouais, je vois ça. Il va y avoir un screamer, on se prépare. Bon, en fait, c'est plutôt les screamers audio que visuels qui me dérangent, hein, je vais pas vous le cacher. Dès que c'est audio, je... Bah, je... Il y a une caméra qui nous regarde. Il y a une caméra, les gars, qui nous regarde. Moi aussi, je vais chanter la chanson de la peur, parce que j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je sais pas quoi faire. Ok, mais je sais pas ce que je dois faire là, où je vais, je sais pas. Ok, là c'est bloqué, d'accord. Oh, il y a un truc par terre. Une pièce, super. On est bien content. Accouche. Non mais stop, ne stalk pas, pitié. Voilà, on chante. Voilà, c'est ça, on chante, on n'a pas peur. On n'a pas peur, c'est dans la tête. Mais ça fait quoi là, ce que j'ai fait? Enfin... Ça sert à quoi là, ce que j'ai fait? J'ai pas l'impression que ça sert à grand chose, ce que j'ai fait. Les gens qui ont cours demain. Vous savez ce que je dois faire juste parce que je commence un peu à fatiguer. On attaque la 5e heure de live là. Je sais pas du tout ce que je dois faire en fait. Ah non, je peux pas redescendre là. Bah je vais où? Je peux pas sauter là. Faut que j'aille de l'autre côté. Tu peux déplacer. Je déplace quoi? T'as pas des objectifs? Ah, attends. Objectif, trouver un bon emplacement pour tourner, rejoindre le balcon du premier étage. Mais c'est super ça comme objectif. Je sais même pas où je suis dans la maison. Coco, tu me parles de rejoindre un balcon dans mes MDR. Tu as le frigo en bas. Le frigo en bas? Quel frigo en bas? Il est quelle heure dans la France? 23h06. Je peux déplacer quoi, les gars? Là, je peux pas passer, hein. Allume! Fais un pchit! Voilà, je veux voir de la lumière, là. Tu me fais des trucs de lumière. Bon, comment je fais, moi? Mes gars! Je suis perdue là. Stop, à droite. Le petit Riri qui me dit à droite. Putain, mais je vois rien. Là? Le truc orange-rouge.
Orange, rouge. Le truc, orange, rouge. À gauche. Déplace le meuble. Mais quel meuble ? Ah ! Oh, pardon. C'est la fatigue. Excusez-moi. Je sais pas vraiment où je dois le déplacer, mais je... Ah, je suppose que c'est par là. Non, oui. Je suis pas sûre de l'avoir bien déplacé. Ah, non, si, ok, j'ai compris. C'est la fatigue, c'est la fatigue. allez, va là-bas. Oh, oh. Tu peux pas aller là-bas, là, entre les deux ? T'es pas censé pouvoir y aller ? Mais vas-y. Voilà. Ok. Moi, j'ai jamais eu cours de ma vie. À votre avis, pourquoi tu fais l'école à la maison ? Je crois que je suis pas centrée à la caméra. Désolée. Ouais, mes yeux commencent à fatiguer. En vrai, j'aimerais bien finir genre un chapitre, tu sais, aller jusqu'au conservateur ou quoi, mais c'est peut-être très long, non ? J'avoue, je sais pas trop combien de temps ça prend. Parce que j'ai pas envie qu'on s'arrête en plein milieu d'un truc, vous voyez. Ça devrait marcher. Marc ? Est-ce que tout va bien ? Je reviens tout de suite. Ouais, tranquille. Tranquille, poulette. J'arrive. Finalement, c'est un peu plus tard. Ah, c'est plus tard ? Le machin, comment il s'appelle ? Je sais pas comment il s'appelle, là, le conservateur. C'est bientôt fini. Bah écoute, j'aimerais bien finir au moins cette partie-là du chapitre. On va voir après. Après, ouais, je vais arrêter parce que je commence quand même à vachement fatiguer. Là, il y a Saijin qui est en train de m'attendre. Elle est dans le lit en mode « Maman, c'est quand tu me rejoins ?» Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh là là. Quand même, là, pour bouger le meuble, un peu la galère. Hein. Tourne le meuble, tourne le meuble. Tu peux ou pas tourner le meuble ? Voilà, voilà, on est bien. Voilà, parfait. Attends, je te dis. Ok, Chanel va nous dire dans combien de temps le chapitre est terminé, à peu près. S'il y a beaucoup encore ou pas. Parce que j'aimerais bien vous finir un chapitre, c'est un peu plus sympa quand même. Mais qu'est-ce qu'elle fait, mon dieu ? Bah quoi, Léa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas mon style de jeu ? C'est ça ? Désolée, je fais au mieux, voilà. Ok, allez, descends, Coco. Ça me fait trop peur d'être là. Je le sens pas du tout. Quoi, c'est verrouillé ? Ah, faut que je grimpe. Okay. Tu vas y arriver. Tu as pas l'air... Tu as l'air pas fatigué. Ah ouais ? Tu me trouves pas fatigué. Bah écoute, quand on sera en full cam, tu vas voir, mes yeux, ils sont tout rouges là, actuellement. Bon, je suis où, là ? Ok. Ah, il y a la clé, là. Okay. Pas de screamer, s'il vous plaît. Gagné. Tu peux pas sortir par là ? Sérieux ? Si, je peux sortir par là, c'est bon. Allez, ouvre ! Dire qu'il était mini chez moi quand le live a commencé. Ah ouais ? Punaise. On y va ? On passe par quelle porte ? Je sais même pas par où faut aller. Je sais pas. Oh meuf, bouge-toi, je sais pas ce que tu fous là. Mais je sais même pas où on va, en fait. Ah, c'est là. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Vas-y, quoi. Ok, il y a de la lumière, là. Bravo, Conju, merci. Oh, la vache. Arrête un peu. Ça va, c'est pas si haut.
Waouh. Mon vertige n'est pas de cet avis. Il a vraiment beaucoup de vertige, lui. Je sens que quand il va falloir faire un truc avec le vertige, il va être nul. Je te lève à 7h demain. Courage. Insistance, encouragement, ne t'en fais pas, tu es parfaite. On va être gentil avec elle. Je vois pas ce qui t'inquiète. Moi, je suis gentille woman, ok? Moi, c'est bienveillance, on juge gentil, donc voilà. Alors... Kate, regarde ça. Ah, c'est le chapeau. Ton chapeau. À qui? H.H. Holmes. Mais punaise. Oh. Bon, les potes arrivent dans longtemps. Ah ouais? Putain! Tout va bien? Non! Ce putain de truc a surgi de nulle part. J'en peux plus, je pleure. Tu le vois? Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'animatronique? Ouais, et du genre plutôt flippant. Ah. Arrête-toi au dîner, ok Chanel. Toi aussi t'as crié. Toi t'as crié deux fois. Dieu. J'en peux plus, je vais pleurer. Hé, Charlie, il est 20h. À table. Fais chier, on n'a rien filmé. Il y a encore le temps. Allez, mieux vaut pas faire attendre Charlie ou il va encore nous saouler. Je vais pleurer. Hey, sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que je faisais juste mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème, Marc, pas le mien. Oula. Empathie, détermination. Vos disputes sont fatigantes, Charlie peut être un emmerdeur. Arrêtez de vous disputer. Les filles et moi, on en a marre de vos disputes. Et moi, j'en ai marre de ces prises de tête. Il est jaloux. Jaloux? Oui, il est vexé qu'on m'invite sur les plateaux télé et pas lui. T'en fais qu'un. C'est bon, là. Arrêtez. Non, le truc... Vous êtes dans un endroit où tout le monde peut vous entendre. C'est à moi qu'on veut parler et ça, il supporte pas. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Elle parle super fort. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande démo. Et même si c'était le cas. Indifférence, les réalisateurs sont comme ça, amertume, ils nous traitent comme des pions. Indifférence, les réalisateurs sont comme ça. Les réalisateurs sont comme ça. On va pas être méchant, je pense pas que ce soit une bonne idée d'être méchant. Ils ont une vision et leur ego est parfois démesuré. C'est pour ça que je me contente uniquement... Non, je vais pas hurler, ça va aller. Ça donne pas le droit d'être un connard. Non, mais... Je fais école à la maison, d'accord. Mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Kate, cette émission, c'est peut-être sa seule chance de réussir. C'est vrai. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de Lonit Entertainment. Déception, soutien. Pars tant que tu le peux. Déception, je pensais qu'on partirait ensemble. Bon, arrête de faire le déçu, soutiens-la et puis c'est voilà. Super. C'est sûrement le meilleur choix pour la suite de ta carrière. Tu as l'air très sincère. Parce que je le suis. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite mieux que ça, toi aussi, et les autres aussi. Quelle sublime performance! Eh ben voilà, il écoutait. Bravo! C'est vachement émouvant. Tu mérites un putain d'Oscar. Tu sais même pas de quoi on parlait. J'en ai assez entendu. Je sais reconnaître la trahison. Et je m'attendais pas à ça de ta part, Marc. Oh, ça part en cacahuète. Quels que soient tes projets, je tiens à te rappeler que tu bosses pour Lonit Entertainment. Et les employés de Lonit Entertainment sont attendus pour dîner avec notre hôte. Charlie, je suis désolé... Et chez Lonit, on est professionnel, pas vrai? Alors tâche de ne pas l'oublier. Oh là là. Super, bravo. T'as peut-être un avenir, mais le mien est foutu. Pourquoi le tien serait foutu? Ce type est un putain de gamin. Je sais pas pourquoi on entre tous dans son jeu. Ouais, il y a des tensions entre eux alors qu'ils sont dans une maison où il y a quelqu'un qui veut les zigouiller. Je le sens pas du tout. Hein.
On arrête là ? Faut qu'on arrête là ? Ok. Salut ! Ok, ok. Donc, mes modos me disent qu'il faudrait qu'on arrête là pour qu'après, parce qu'après, ça va être un long passage de chapitre. On est resté en live jusqu'à 23h20, voilà, donc on est resté un bon moment en live, à savoir qu'on continuera ce live-là mardi, normalement on continuera ce jeu mardi pour au moins 2 heures, si on fait plus on fera plus, si on fait moins on fera moins, mais pour au moins 2 heures. Est-ce que je peux sauvegarder ? Ça va sauvegarder quand je fais retour au menu principal ? Je pense que oui, je suppose. Faudra que je vous fasse une miniature et tout. Je sais même pas quoi vous faire là. Je suis éclatée, je suis très fatiguée. Je vais me mettre en full Overlay Talk pour vous parler. Par contre, je veux plus entendre le son. C'est bon là, je vais canner. Je veux plus entendre le son. J'en peux plus. Wouh ! Bon, là vous voyez, comme mes lights à moi, elles sont beaucoup moins allumées, et ben on voit beaucoup le néon derrière. Vous avez passé un bon moment ? Est-ce qu'il vous plaît ce jeu pour l'instant ? Et moi, il est 18h17. Ah ouais, ok. Bye, dodo, je pourrais pas être là mardi, mais j'essaierai. En tout cas, il y aura la rediffusion dans tous les cas. Voilà. Bon, le récapitulatif, ça va. Non, mais... Ça va, je sais pas, hein. C'est que le début, j'ai pas arrêté de crier dès qu'il y avait un screamer, alors que c'est que le début. Je sens que je vais juste flipper de ouf. Mais ça va le faire. Alix, grave, j'adore. Vous avez bien aimé ? Bon, ça me fait plaisir, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, on s'est bien amusé. On continuera donc ce jeu mardi à 18h. On verra pour si on fait 2h ou 2h30 ou 3h. Voilà, à voir. Mais ouais, mardi 18h. De toute manière, je vous tiens au courant sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous ne le savez pas. J'en parle beaucoup sur ma story et mon canal Instagram. Et si vous êtes abonné à la chaîne, normalement, vous aurez une notif si vous activez les notifications pour être abonné. Sinon... On reparle un petit peu côté Sims. Rendez-vous demain à 17h pour l'épisode 2 de notre Let's Play Télé-réalité, L'amour est au ranch. Soyez au rendez-vous parce que vous allez voir, il est super cool cet épisode, j'ai beaucoup rigolé. Et puis bah voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit. J'avoue que je suis éclataxe. Je pense que ça se voit, je suis super fatiguée. Pétard ! Vous avez vu les brillants de mes yeux comme ils se voient bien ? Je suis contente, j'ai fait un joli maquillage. au moins comme ça, ça sera servi à quelque chose. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne nuit, une bonne... Le couple du début est mort, ah oui c'est vrai. Passez une bonne nuit, une bonne soirée, reposez-vous bien et rendez-vous demain à 17h. Bye bye tout le monde, bye bye les gens sur TikTok aussi, bye bye.